Bonsoir tout le monde, merci de nous rejoindre sur Rayonnance TV pour cette nouvelle conférence en compagnie d'Elisabeth de Caligny. Donc, bonsoir Elisabeth, merci de... Bonsoir Anatole. Voilà, merci de revenir pour cette nouvelle conférence qui sur l'affaire des poisons. Donc Elisabeth, vous êtes conteuse et conférencière dans l'âme. Elisabeth, vous passionnez pour tout ce qui relève du mystère et de l'étrange. Vous avez bien faire cette conférence sur l'affaire des poisons, une série de scandales impliquant les empoisonnements survenus entre 1979 et 1682 sous le règne de Louis XIV. Alors pour les personnes qui ont pu suivre un petit peu, même si ça relate très peu une série comme Versailles, par exemple, à un moment donné, on voit que la maîtresse de Louis XIV, je crois que c'était Madame de Montespan, si je ne dis pas de bêtises, voilà, il est impliqué, beaucoup de gens étaient impliqués, et justement, nous allons un petit peu, grâce à Elisabeth ce soir, relever le mystère de tout cela. Donc, avant de commencer, je vais dire bonsoir aux personnes présentes, bonsoir Sébastien, Giovanni, Julien, Sandrine, bonsoir Sandy, bonsoir Julie, bonsoir Béatrice, Jess, Nathalie, Aline, Minouche, Gaëlle, Sébastien, Véronique, merci également à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo en replay, car je sais que vous serez fort nombreux. C'est ça qui est bien avec Elisabeth, c'est que comme vous m'avez souvent dit, souvent les gens vous écoutent dans la voiture, souvent c'est vrai que c'est des conférences qui durent quand même longtemps, donc souvent les gens vous écoutent et à chaque fois, du moins les conférences que vous avez faites sur Rayonnance TV, sur la bête du Gévaudan, sur les enfants de Moupette également, sur Marthe Robin, mais on peut, je sais que beaucoup de gens qui sont sur Rayonnance vous suivent énormément aussi sur Nuria TV, donc ils vous connaissent. Oh, pas clair, j'ai Sylvain Didelot aussi. Ah oui, Didelot, mais non, j'ai quand même pas mal de chaînes. C'est ça. Là, je vais faire un truc avec Garante TV. J'ai quand même. Oui, je sais, sur beaucoup de chaînes, mais je parlais de Nuria parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens. Nuria, bon, disons, c'est le plus gros morceau, mais bon. C'est ça. Voilà. C'est ça, exactement. Il y a Didier Santiago aussi, lequel Didier je fais Santiago souvent également. Des émissions, qui est un type adorable. Non, j'ai de la chance. Hein. Didier, j'ai fait des grandes émissions aussi chez lui, qui sont très intéressantes. Hein. Voilà. Ah, donc, je m'éparpille. Donc, après, je suis sur les genoux, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. J'imagine. Enfin, en tous les cas, un grand merci. Je vais vous laisser donc la parole, Elisabeth. Eh bien, je vais vous raconter donc l'affaire des poisons. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors, j'espère que vous êtes prêts parce que vous allez voir que la cour de Versailles sous Louis XIV, c'est pas rien. On appelait ça le grand siècle. Eh bien, c'est un autre siècle également, le XVIIe siècle, qui est en France celui des devineresses, des magiciens, des alchimistes qui ont infiltré, vous allez voir, le monde des nantis. Tout ce petit monde interlope a développé un réseau d'influence qui va petit à petit s'étendre. Et il y a de la demande, parce que ce qu'on cherche avec eux, c'est bénéficier d'un héritage anticipé, vous verrez comment, une richesse facilement acquise la plupart du temps, et puis tant qu'à faire, ça peut aider à mettre des bâtons dans les roues aux gêneurs, qui sont mieux en vue que vous-même, et qui veulent se débarrasser pour les femmes d'un conjoint un peu gênant et un peu ennuyeux, et qui, parce que vous savez que l'homme est tout puissant à l'époque, hein. Donc il épouse dans les beaux milieux, il prend la dot de sa femme, et puis elle n'a pas son mot à dire, il la trompe, enfin bon, c'est un milieu assez dissolu, il faut dire, hein, cette cour de Versailles, mais pas seulement, parce que Paris, c'est la même chose. Il y a la bourgeoisie qui a monté également. Et donc, entre la noblesse et la bourgeoisie, il y a de bons clients, si je puis dire, pour tous ces devineresses, magiciens, etc., etc. Donc, c'est pas un hasard pour la cour. Louis XIV est un roi qui a souffert dans sa jeunesse et qui a institué, plus exactement, un principe de division qui va porter ses fruits, puisque ça va aboutir, on peut dire, à une épidémie quasi criminelle, sur tout ce qui est haut de la caste, vous voyez. Donc, à Paris, il y a un réseau qui est très bien structuré, très organisé, qui va abreuver nombre de courtisans, de hauts bourgeois et d'aristos, en poudre illicite et élixir de la mémo, et ça va faire des dégâts.
Alors, sous le règne de Louis XIV, la société s'est transformée, les mentalités ont changé et la science est arrivée. Donc, quand la science arrive, la croyance en Dieu s'arrange, mais à la manière matérielle ou carrément dégage. Et on va commencer précisément à ce moment-là à regarder la religion d'une autre manière. Et la France n'a pas été la seule concernée, puisque c'est un développement général en Europe, et l'esprit scientifique va changer beaucoup la société, beaucoup les sociétés. Et donc, ça va nous amener certaines choses avec l'alchimie qui va beaucoup se développer. Donc l'alchimie, c'est de la chimie. Et grâce, par ce biais, si je puis dire, on va tomber sur la science des poisons. Et à cette époque, les alchimies pullulent parce qu'ils cherchent, vu qu'on est dans un monde qui est devenu extrêmement matérialiste, ils cherchent également à transformer le plomb en or. Donc l'affaire des poisons désigne communément un immense scandale qui a eu lieu, qui a touché beaucoup de monde à la cour de Louis XIV et qui a donné lieu à une très célèbre enquête policière qui va aboutir à un procès qui est tout à fait interminable. Ça va mettre en cause des centaines de personnes, dont certaines sont proches du souverain. Ça a défrayé la chronique à tel point que de nos jours, on en parle et on s'y intéresse. La preuve en est, c'est que je suis en train de le faire. Vous voyez? C'est très particulier. Alors Louis XIV, lorsque Louis XIV va découvrir avec désagrément et probablement une certaine colère que ça touche sa favorite, Madame de Montespan, qui est une femme avec laquelle il a quand même vécu 9 ans, à cette époque-là, il est un petit peu distancié parce que il y a le temps qui a passé. Mais bon, elle est toujours la favorite en titre, même s'il y a Mademoiselle de Fontanges qui est arrivée, et elle lui a quand même fait 7 enfants, et 7 enfants qui ont été légitimés par le Parlement quand même. Donc, quand ce truc-là va être mis sur la table et de façon bien lourde, eh bien, il va tout faire pour que l'affaire soit étouffée. Mais ça ne va pas être si simple que ça. Alors, l'enquête de police qui va se dérouler pendant des années va mettre à jour des pratiques qu'on ignorait totalement. En tout cas, le roi et l'utilisation de poisons, d'élixirs, de filtres, d'aphrodisiaques, et puis pire encore, vous le verrez, les messes noires. Et là, on tombe dans le satanisme, on n'est plus en sorcellerie. Et ça va mettre aussi à jour l'existence, cette enquête d'un réseau extrêmement organisé d'empoisonneurs avec des ramifications diverses. C'est vachement bien foutu. Donc, c'est pour le roi et le pouvoir royal d'une gravité extrême. Et il y aura, si je puis dire, deux phases dans l'affaire des poisons. Il y aura l'affaire de la marquise de Brinvilliers. Et puis il y a la deuxième phase avec les empoisonneurs comme la dame Lavoisin, que tout le monde connaît, mais il y en a d'autres, vous allez voir, qui va finalement, sa fille en tout cas, mettre en cause Madame de Montespan. Et là, ça va très loin. Alors, il y avait déjà eu des soupçons de poison quand la belle-sœur de Louis XIV, Henriette de France, qui était mariée à Monsieur, Monsieur étant le frère de Louis XIV, elle était morte de façon très suspecte du jour au lendemain, enfin disons en quelques heures. Alors, Monsieur, je vous le rappelle, le frère de Louis XIV était bisexuel, mais il fallait qu'il se marie, il fallait qu'il ait des enfants, parce que c'est comme ça hein, dans la royauté. Et donc, il dira avoir été amoureux de sa chère Henriette, qui arrivait d'Angleterre d'ailleurs, et qui est une de ses cousines, durant une quinzaine de jours. Puis après, ça lui est passé. Bon, il avait toute une cour de favoris. On n'appelait pas ça des mignons comme sous Henri II. Mais il avait une cour de favoris. Et voilà. Mais il revenait quand même régulièrement l'honorer. Ce qui a quand même réussi. Il a réussi encore pour quelqu'un qui était extrêmement dispersé à lui faire un enfant par an. 8 enfants en 8 ans. Et puis va arriver la passion pour lui. La passion pour un homme qui est le chevalier de Lorraine. Et le chevalier de Lorraine. Il prend beaucoup de place dans la vie de monsieur et Henriette n'est pas très, très heureuse. Louis XIV non plus, parce qu'il aime beaucoup sa belle-sœur, il l'apprécie beaucoup. Et d'ailleurs, on se demande même s'il n'y a pas une petite histoire derrière tout ça. Mais enfin bon, ça n'a pas été officialisé, on s'en doute, parce que ça serait le comble entre royaux et entre même famille, quoi, et entre cousins même. Donc, il y a ce chevalier de Lorraine qui arrive. Et il y a une idylle qui est très forte, hein. Et quand elle va mourir, cette pauvre Henriette, elle a 26 ans, tout le monde se dit qu'elle a été empoisonnée.
Ah, ça agite le monde des courtisans, vous en doutez, et on va pointer du doigt ce fameux chevalier de Lorraine. On est persuadé qu'il est l'auteur du forfait, et non, ce n'est pas lui, et sa culpabilité d'ailleurs ne sera jamais démontrée, et comme l'empoisonnement d'ailleurs. Enfin, on suppose de nos jours, vu les documents qu'il peut y avoir, parce qu'il y a eu une autopsie, qu'elle est certainement décédée d'une péritonite biliaire, c'est-à-dire qu'elle avait un caillou dans la vésicule biliaire, puis ça a dû éclater, et puis voilà. Mais quand les médecins du roi vont l'autopsier, ils ne vont pas être déçus. Ils ne vont pas revenir. L'état intérieur de cette pauvre Henriette qui a 26 ans est complètement délabré. Les organes sont vraiment fatigués. Bon, elle a toujours été de constitution fragile. Ce qui a dû l'achever, c'est ses grossesses, qu'elle n'a pas toutes menées à terme d'ailleurs. Mais enfin, bon, voilà. Donc, elle est morte. Et on retiendra d'Henriette de France, si on l'a oubliée, elle, on retiendra quand même l'homélie de Bossuet le jour de ses funérailles, parce que ça a été extrêmement pompeux. Et il a dit une phrase phénoménale que tout le monde a retenue: Madame se meurt, Madame est morte. Et Madame était bien morte. Alors, ça, c'était avant. Donc, finalement, il s'est monté un peu, puis c'est redescendu comme un soufflet, puisque c'était circulé, il n'y a rien à voir. Et puis, Louis XIV a dû faire en sorte qu'on parle d'autre chose assez vite. Mais tout arrive avec la marquise de Brinvilliers. Et alors, à l'origine, il y a la mort d'un homme qui s'appelle Jean-Baptiste Godin de Sainte-Croix. Celui-là va mourir le 16 juillet 1972. Et après son décès, on va découvrir un petit coffre qui renferme des documents absolument accablants, qui concerne une certaine Marie-Madeleine Dreux-d'Aubray, et qui n'est autre que la marquise de Brinvilliers. Et l'histoire de cette femme est absolument particulière. Alors, elle naît d'abord le 2 juillet 1630. C'est la fille de quelqu'un qui a un poste de lieutenant civil de la garde du Châtelet, c'est-à-dire que c'est lui le chef, hein, de la garde du Châtelet. Et elle et sa fille aînée, et cet homme s'appelle Antoine Dreux-d'Aubray. Et donc, c'est le plus haut magistrat de la police, hein, à l'époque, hein, avant que la police, la vraie police, ne soit créée peu après par un certain Nicolas de la Reynie, qui créera le poste de lieutenant général, qui commandera la nouvelle police. Mais en attendant, c'est ce qu'il y a de plus haut en matière de police, donc il fait la police de la capitale. Donc la pauvre demoiselle Marie-Madeleine Dreux-d'Aubray, qui deviendra la Brinvilliers, perd sa maman très jeune. Elle n'a pas survécu à un accouchement, comme c'était souvent le cas à l'époque. Et puis voilà. Donc le temps passe. Et il y a eu plusieurs enfants derrière, donc deux frères, Antoine et François, qui vont arriver derrière elle. Et le temps passe, elle grandit, pas vraiment en taille, parce que c'est une toute petite bonne femme. Elle restera petite toute sa vie et très menue. Et vers ses 18 ans, elle devient femme et c'est une beauté. Elle est très jolie. On la remarque parce qu'elle a un visage fin, elle a de beaux cheveux châtains, épais, elle a surtout un très beau regard, des beaux yeux bleus. Et puis, elle est enjouée, elle est toujours dans la joie, elle est passionnée, elle sait tenir une conversation, même si elle est discrète et a un esprit alerte. Donc, elle est très agréable. Elle est très agréable. Et puis, on va la marier. Parce que ça se fait comme ça à l'époque. Et comme son papa a de gros moyens, elle va être richement dotée. Elle va quand même recevoir 200 000 livres de dot à l'époque, ce qui n'est pas rien. Et elle va épouser, l'année de ses 21 ans, un aristocrate riche, jeune, parce qu'elle aurait pu épouser un vieux barbon. Mais alors, il a un désavantage, ce jeune homme. Eh bien, c'est qu'il est libertin et c'est un joueur invétéré. Cet homme s'appelle Antoine Gobelin de Brinvilliers. Donc, il descend des Gobelins, donc la célèbre manufacture, hein, de tapisserie. Et au moment où il l'épouse, c'est un soldat, mais officier. Et il est maître de camp dans un régiment de Normandie. Le mariage de ces deux-là va être célébré le 20 décembre 1651 à l'église Saint-Eustache à Paris. Et le couple va s'installer dans un très bel hôtel particulier qui se trouve au bistre de la rue Saint-Paul, donc à Paris également. Alors au début de leur union, il est assez amoureux de sa femme. Il la trouve très jolie, ils s'entendent bien, tout va très bien. Puis, malheureusement, c'est un cavaleur, un coureur de jupons. Donc, assez vite, il va retourner à ses amours et puis au jeu, parce qu'il est pathologiquement joueur. Alors, il collectionne les maîtresses et puis, voilà. Et il commence déjà à écorner la magnifique dot de sa femme. La jeune marquise est donc rapidement délaissée. Elle en a probablement été blessée et peut-être qu'elle a voulu le rendre à pareil puisqu'elle va commencer également à avoir des amants.
Et puis finalement, au milieu de tout ça, il y en a un qui est un petit peu mieux que les autres. En tout cas, il gagne la cymbale, il supplante les autres et il la séduit complètement et elle tombe passionnément amoureuse. Et cet homme s'appelle Jean-Baptiste Godin de Sainte-Croix. C'est celui qui va mourir en laissant des papiers extrêmement compromettants. Alors, il dit qu'il est issu d'une grande famille de Gascogne. En fait, pas du tout. On n'est même pas sûr que la particule de Sainte-Croix lui appartienne, c'est vous dire. En fait, c'est un faiseur, c'est un manipulateur, et la pauvre, elle ne sait pas sur quoi elle est tombée. En tout cas, c'est probablement le cadet d'une famille qui avait un petit peu d'éducation, mais ça s'arrête là. Mais il est de belle allure. Il sait parler. Et puis, il sait parler aux femmes. Il sait leur faire la cour. Il a la tendresse qu'il faut au bon moment. Et puis voilà, et puis voilà, et puis voilà. Et donc, Madame de Brinvilliers est complètement bouleversée. Il faut quand même savoir qu'elle ne l'a pas rencontrée par hasard. C'est que c'est son cher mari qui lui a présenté. Mieux encore, quand il est revenu d'une mission en province pour son boulot d'officier, si je puis dire, ça devait être en 1658 ou en 1659, eh bien, il a ramené avec lui ce beau Godin de Sainte-Croix. Et il va même l'installer dans l'hôtel particulier de la rue Saint-Paul. Et comme il cavale beaucoup, qu'il n'est jamais là, qu'il joue beaucoup et tout, il dit à Godin de Sainte-Croix, veillez bien sur ma petite femme. Après avoir été l'ami de la famille, on va donc passer à autre chose pour Godin de Sainte-Croix. Il va très bien veiller sur sa tendre épouse. Et ce qui devait arriver, arriva. Finalement, ça arrange tout le monde. Le marquis n'a plus la soupe à la grimace qu'en tirant une de ses frasques chez lui. Et puis la dame, ben, elle ne peut pas mieux rêver. Hein. Elle est bien tombée. Enfin, du moins, le croit-elle. Donc, la passion lui donne des ailes. Et comme elle a de l'argent, ben, elle va commencer à faire plaisir, à faire de jolis cadeaux ouais, à son amoureux. Et lui, il va se montrer extrêmement pressé. Oh non, je n'en veux pas, mais par ici, la bonne soupe. Et puis voilà. Et ça va durer. Et puis, ça commence à se savoir. Bon, aussi bien le marquis de Brinvilliers que Godin, que la marquise, tout le monde se fiche du grandiraton. Hein. Mais le marquis, enfin le monsieur de Dreux, enfin monsieur Dreux d'Aubray, le père de la jeune fille, de la jeune femme, lui, il voit ça d'un tout autre œil. D'abord parce il doit être renseigné par des banquiers, donc il voit que l'argent commence à partir. Mais surtout, sa fille se comporte très mal. Se comporte très mal. Donc, dans l'idée de briser la relation qui la lie à ce Godin de Sainte-Croix, qui lui a complètement tourné la tête et qui tape dans la caisse, faut quand même le dire, et ben, il va se débrouiller pour obtenir une lettre de cachet qui va le mener tout droit dans les geôles de la Bastille. Et c'est entre les murs de cette sinistre forteresse que ce vil et charmant séducteur, qui s'intéresse à l'alchimie comme par hasard, bah c'est dans l'air du temps, je vous l'ai dit, eh bien il va se lier d'amitié avec son compagnon de cellule. Et celui-là est un Italien qui s'appelle Exili, qui est en bassillé pour avoir commis des empoisonnements. Alors ce gars est un alchimiste confirmé, il est enchanté d'avoir son Godin de Sainte-Croix dans sa cellule, parce que c'est un type cultivé qui a de la conversation et avec lequel il peut bien discuter, et surtout ce Godin de Sainte-Croix s'intéresse à la science. Donc qu'est-ce que va faire cet exilé? Ben, il va lui livrer ses secrets d'alchimiste, mais également de poison. Bon, au bout de 6 semaines, parce qu'il va rester que 6 semaines à la Bastille, eh bien, le fringant chevalier Godin ressort de la Bastille, donc, et il va immédiatement retrouver, cela va de soi, les bras chaleureux de sa petite marquise. Et puis, il va leur raconter tout ce qui lui est arrivé, puis tout ce qu'il a appris en prison. Et cette découverte intéresse beaucoup sa charmante. Ah oui, comment donc? Parce qu'elle se dit, ben voilà, j'ai besoin de fric parce que ça commence à fondre. Eh ben, je pourrais peut-être m'en servir de toutes ces petites pratiques. Hein. Puis elle aimerait bien se venger de son papa aussi. Hein, parce que le papa, elle n'a pas du tout apprécié qu'il se mêle de sa vie et qu'il embastille son petit copain. Hein. Et puis voilà. Donc elle est un peu énervée. Puis il y en a un autre qui l'énerve. C'est son mari, le marquis de Brinvilliers. Elle lui a dit qu'elle aimerait bien divorcer pour épouser son bel âtre. Et lui, il n'est pas d'accord. Alors, il est pas, elle est pas, elle est pas très heureuse. Surtout que Godin de Sainte-Croix, avec beaucoup d'élégance, va lui annoncer que lui aussi entend convoler de son côté, mais pas avec elle. Donc, vous voyez, c'est un peu rude quand même. Donc, voilà.
Elle en veut à son mari qui lui met des bâtons dans les roues, et elle en veut à son père pour les mêmes raisons. Et le plus incroyable quand même, c'est que Godin Sainte-Croix a dû se marier quand même. Alors on ne sait pas trop à qui, mais je pense qu'il s'est marié quand même. Donc c'est pas mal, avec les sous de la marquise évidemment, parce qu'il en a bien profité. En tout cas, il y a peut-être quelqu'un qui l'a poussé, hein, marqué. Je verrais bien le papa filer du fric à Godin pour épouser quelqu'un d'autre, sauf que bah, il lâchera pas l'affaire avec la marquise. Bon, enfin bon, ça c'est une hypothèse. En tout cas, ce qu'il ne réalise pas, c'est de là, aussi bien l'amant que le mari, c'est qu'en ayant énervé la jolie marquise, eh bien, comme sa destinée est contrariée, elle pourrait très mal le prendre, et ils viennent probablement d'engager un processus inexorable qui les détruira tous les deux à terme, il faut quand même le dire. En attendant, elle ne va pas perdre de temps pour filer sa chalandée en poison. Elle va aller voir un ami de Godin Sainte-Croix qui s'appelle Christophe Glaser, qui a pignon sur rue. On lui a recommandé, il lui a recommandé d'aller le voir et lui vendra ses premières précieuses fioles de poison, à prix d'or, bien évidemment. Donc Glaser lui a assuré que les effets de ses produits étaient rapides, efficaces, indécelables, et que tous ceux qui avaient fait les frais de ces empoisonnements, bah, ils étaient morts impeccablement bien et de mort naturelle. Voilà qui la réjouit. Elle va donc pouvoir régler ses petites contrariétés sans laisser de traces. Et elle va s'entraîner. Il y a des sources qui expliquent qu'elle aurait eu l'idée de s'entraîner avant de passer à l'acte. Et l'entraînement, c'est quoi? Bah, elle fait faire des petits gâteaux par ses domestiques. Hein. Puis comme c'est une bonne pratiquante, comme on fait encore à l'époque, et surtout comme toutes les empoisonneuses, vous le verrez, eh bien, elle a ses pauvres. Donc elle va les voir à l'hôpital, elle fait ses bonnes œuvres. Et quand elle va faire ses petits gâteaux, bah, elle va mettre de l'arsenic à l'intérieur, parce que c'est ça, elle marche à l'arsenic. Hein. C'est le roi des poisons, je vous en parlerai tout à l'heure. Donc, et puis elle va à l'Hôtel Dieu, et puis elle distribue ses petits gâteaux. Et on se dit, oh, la marquise de Brinvilliers, quelle femme, quelle est généreuse, venir si souvent visiter ses déshérités. Ah oui? Merveilleuse femme, oh combien généreuse elle a été. Bah oui, on suppose quand même que ces charitables tests ont quand même envoyé une quarantaine de personnes au paradis. On n'en a pas la preuve, mais la rumeur a couru. Donc, elle va mettre du temps à réaliser son sinistre projet. Et on ne peut pas lui donner tort si on veut que le crime soit parfait. Il faut l'organiser avec méthode, trouver la meilleure occasion quand elle se présente pour passer à l'acte. Et le moment de passer à l'acte va venir. Et ça arrivera quand Marie-Madeleine de Brinvilliers va se trouver dans la situation la plus critique qui soit, seule pour affronter la ruine, car il n'y a plus d'argent. Son mari, comme je vous l'ai dit, est un joueur pathologique, libertin à souhait, il a tout bouffé avec l'amant. Donc il n'y a plus rien. Godin de Sainte-Croix, lui, qui, comme je vous le dis, en a bien profité, et puis qui a continué à me débrancher grand train. Ils ont souvent emprunté de l'argent à deux, d'ailleurs, hein, puis des grosses sommes. Mais là, il en a tellement emprunté de son côté qu'il a les créanciers qui lui courent après, parce qu'il ne peut plus rien rembourser. Donc, il va mettre la clé sous la porte et filer à l'anglaise. Évidemment, quand il fait ça, il lui brise le cœur, parce que le mari, terminé, l'amant, c'est fini, elle est toute seule. Elle est toute seule pour affronter le pire, car elle ne peut plus compter sur personne. C'est pas elle pouvait vraiment compter dessus, mais enfin quand même. Donc voilà. Donc elle se dit, allons-y, il faut que je mette à profit ce qu'il y a à faire, il faut que j'hérite. Ben oui. À l'époque, les poisons, c'était surtout pour l'héritage. Donc elle va passer d'abord les poudres qu'on donnait empoisonnées, on appelait ça les poudres de succession, c'est vous dire. Donc elle se dit qu'il faut hériter. Puis bon, il y en a un qui est parfait, c'est son papa. Elle lui en veut à mort, parce qu'il a quand même fait un sale coup. Et probablement autre chose dont je parlerai tout à l'heure. Et ben le papa va passer le premier. Donc il passera l'arme à gauche en septembre 1666. Sauf que ça ne va pas tout à fait se passer comme elle aurait voulu. Donc il y en a deux autres qui vont passer derrière. Ce sont ses deux frères qui la suivent, ses frères cadets, c'est-à-dire Antoine et François. Ceux-là mourront un peu plus tard, 4 ans plus tard, les 17 juin et 12 novembre 1670. Alors, l'histoire dit que sa sœur Marie-Thérèse ainsi que son beau-frère seraient morts. Bon, ça, c'est de très mauvaises sources, ils ne sont pas morts, mais ils l'ont peut-être échappé belle, mais il n'y a pas de preuve là-dessus. Et puis,
Certains avanceront également qu'elle aurait essayé de déglinguer également sa fille aînée, parce qu'elle la trouvait pas bien futée. Donc elle s'était dit, bah tiens, non, ça c'est pas vrai. C'est pas vrai, tout ça, c'est de la bêtise. La Brinvilliers ne tue pas pour le plaisir, elle ne tue pas par pulsion incontrôlée, uniquement intérêt ou par vengeance. C'est pas une mère poule, elle s'occupe pas vraiment de ses enfants. Rappelons à ce propos qu'elle en a eu sept quand même, dont quatre qui sont vrais. Alors son mari a tout le monde a reconnu tout le monde, mais elle en a quatre qui sont certainement de Godin de Sainte-Croix. Hein, c'est plus le mari. Donc voilà, nous en sommes là. Lui, c'est le mari, s'est mis en travers de ses projets. Donc tôt ou tard, il va avoir des bricoles. Il se dit ouh là 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 là. Et quand il a vu cette hécatombe funeste là d'un seul coup, parce que ça y va, il a parfaitement compris ce qui se passait, il s'est dit, ça va bientôt être mon tour. Il a saisi le message. Donc, il va mettre la poudre d'escampette. Il va quitter, de toute façon, on ne peut plus payer l'hôtel particulier ni rien. Donc, il va quitter Paris. Il va la laisser en plan. Et voilà. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas parce qu'il avait un pressentiment, c'est que réellement, il s'est passé quelque chose. C'est Godin de Sainte-Croix, son ami et l'amant de madame, qui l'a prévenu qu'elle avait décidé de l'empoisonner. Donc, c'est quand même grave. Et puis, on saura que Godin de Sainte-Croix, apparemment, aurait sauvé la vie à quelques reprises de ce pauvre marquis de Brinvilliers, parce que la comtesse était passée à l'acte et il lui avait donné des antidotes. Bon, et il semblerait même qu'une fois la marquise prise de remords après lui avoir collé quelques poudres, lui a collé tout de suite l'antidote pour le laisser en vie. Puis une fois, ça n'a pas marché. Elle aurait même appelé à la rescousse pour lui sauver la vie un certain Nicolas Brayer. Et puis voilà. Donc il y a quand même un problème, si bien que le mari a pris le large et on ne peut pas dire qu'il est mal fait. Donc c'est la tuile sur toute la ligne pour la marquise de Brinvilliers, parce que ses affaires, on en est là. Et puis vous verrez que même en tuant trois personnes, elle n'a pas eu exactement ce qu'elle escomptait. Et puis la tuile finale va être le décès prématuré le 31 juillet 1672 de Jean-Baptiste Godin de Sainte-Croix. Les causes de son décès ne sont pas définies, on ne sait pas si c'est trop de maladie ou par accident, on ne sait pas. En tout cas, il est mort, on le retrouve mort à son domicile, criblé de dettes. Enfin bon, ça ne va pas. Et c'est très grave parce qu'il y a quelque chose chez lui, vous l'allez voir. Et quelque chose qu'il ne faut absolument pas trouver pour la marquise. Or, il s'avère que l'armée de créanciers, quand elle apprend que Sainte-Croix a passé l'arme à gauche, se précipite pour aller réclamer son dû. Donc, ils vont aller demander au procureur du roi de faire en sorte que ça puisse être le cas, si bien que, il meurt au mois de juillet, comme je vous l'ai dit, et le 8 août de la même année va avoir lieu à son domicile une perquisition et un inventaire qui va être fait en présence de la police. Et c'est là qu'un certain sergent Cluet, qui fouine partout, va trouver un coffre de cuir rouge. Comme on fait de l'inventaire, bah, il l'ouvre, ça pourrait contenir de l'argent ou des bijoux. Non, ce qu'il va trouver à l'intérieur sont des lettres d'amour qui ont été adressées par Madame de Brinvilliers à Monsieur Godin de Sainte-Croix. Et puis, il y a autre chose, une confession écrite de la main de la marquise, où elle s'accable, et on qualifiera de cet écrit comme étant ses compromettantes confessions. Oui, compromettante parce qu'elle avoue avoir empoisonné son père, ses frères, à dose répétée de mélange d'arsenic et de bave de crapaud, dans le but d'hériter d'eux. Et pour ce qui concerne son père, elle précise bien qu'elle a essayé par 10 fois de lui faire passer l'arme à gauche. Elle avoue dans la foulée sa liaison adultère avec Godin de Sainte-Croix, bien à cet homme. Et pas avoir reçu en retour, en soulignant qu'il l'a bien ruiné. Et puis, voilà. Et bon, ce Godin de Sainte-Croix, il a quand même manipulé Madame de Brinvilliers depuis le départ, hein. Il savait tirer les bonnes ficelles, il a profité de sa gentillesse, il a profité de son amour, il a profité de sa passion, il a profité de ses faiblesses, et puis il a profité de son argent. Enfin bon. Et au fond du coffre, plus grave, enfin plus grave, tout aussi grave que les confessions,
va être retrouvé un petit mot sur lequel est inscrit à n'ouvrir qu'en cas de mort antérieure avant la marquise, c'est-à-dire s'il meurt avant la marquise, vous l'ouvrez. Et accompagnant ce mot se trouve une obligation d'argent souscrite par la marquise au profit de Sainte-Croix, une reconnaissance de dette pour la coquette somme de 30 000 livres. Donc, elle mentionne des dates postérieures aux assassinats des membres de la famille, ce qui permettra d'imaginer plus tard que Godin de Sainte-Croix aurait de surcroît possiblement fait chanter son amoureuse, parce qu'il ne devrait pas avoir ça dans son coffre. Et elle, elle sait qu'il a ça, il a dû lui voler ses confessions. Vous voyez? Alors, seront retrouvés également dans le petit coffre des traités qui décrivent l'usage des substances toxiques entrant dans la composition des poisons, des poudres suspectes, des fioles, pareil, hein, de poison. Et un apothicaire analysera les flacons et il ne sera pas déçu. Il dirait que ça s'agissait de poisons particulièrement violents ayant la propriété de laisser peu de traces dans l'organisme. Et puis, il y aura le bouquet final, savoir la procuration du receveur général du clergé, un financier renommé proche de Colbert, quand même le ministre de Louis XIV, très influent. Et cette procuration, eh bien, elle est au nom de Reich de Pénautier. Elle est datée du 17 septembre 1769 et elle autorise un commerçant de Carcassonne à recevoir de la part de la marquise de Brinvilliers, par l'entremise de Godin de Sainte-Croix, une somme de 10 000 livres, ce qui n'est pas rien. Et le document précise que Pénautier, donc Reich de Pénautier, aurait prêté cette somme à la marquise sous l'identité de Paul Sardan. Ça pue le réseau à plein pif. Et lorsque les policiers, ou du moins le cuvet en question qui a été fouiné dans le coffre, découvrent le nom de Reich de Pénautier, ils frissonnent. C'est la cerise sur le gâteau. Ce maudit coffre révèle en plus que la marquise est impliquée jusqu'au cou dans une autre affaire qui touche le pouvoir en place, donc c'est la bonne aubaine. Mais c'est une telle gravité qu'il va immédiatement aller prévenir le lieutenant civil Nicolas de la Reynie, qui dirige la police à ce moment-là, pour le tenir au courant, évidemment. Et tandis que la police fouine dans tous les recoins de l'appartement de Sainte-Croix, la marquise est alertée. Elle est alertée par son ancien valet quand il était à Paris, qui s'appelle Lachaussée. Et Lachaussée est toujours en relation avec lui, ce Godin de Sainte-Croix, et elle est en relation, donc il est au courant de tout, il sait pourquoi, il sait la date à laquelle il est mort, on l'a prévenu. Mais surtout, il est en relation avec la marquise, parce que la marquise, quand Godin de Sainte-Croix a quitté Paris, eh bien, s'est débrouillée pour le faire employé par son papa. Voilà. Donc, Lachaussée la prévient, elle lui dit, il faut absolument que je récupère un coffret que j'ai. Je le récupère. Et lui fait, je crois pas qu'on puisse, hein, il y a la police, donc elle n'y arrivera pas. Elle n'y arrivera pas à le récupérer, ce bon Dieu de coffret. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle est perdue, elle le sait. Elle sait que pour elle, ça peut être très très grave, hein. Donc elle va lever le camp dans l'Eure et aller se réfugier à Londres. Elle ne va pas partir seule. Il y aura une de ses anciennes domestiques qui s'appelle Geneviève Bourgeois, qui est encore fidèle. Cette servante est encore fidèle, c'est la seule d'ailleurs, la seule qui ne l'ait pas laissée tomber, et elle l'accompagne dans sa fuite. La marquise de Brinvilliers sera localisée assez vite parce que Colbert a lâché les chiens et ses indiques. Et donc il sait qu'elle est à Londres. Il veut absolument la faire extrader, mais les Britanniques sont ce qu'ils sont et c'est eux qui décident, c'est pas Colbert. Et la voie diplomatique ne marchera pas, si bien que l'Angleterre protégera d'une certaine façon Madame de Brinvilliers. Mais elle sait quand même qu'il n'est pas trop bon de rester là, donc elle va encore lever le camp pour s'enfuir cette fois vers la Hollande, qui s'appelle à l'époque les Provinces-Unies. Et comme elle sait qu'on la piste, eh bien elle va nouveau fuir pour aller se réfugier près de Liège, dans un monastère, celui des chanoinesses régulières de Saint-Augustin à Melkhouse. À Paris, Lachaussée, qui l'avait donc prévenu de son arrestation imminente et l'aidé à filer à l'étranger, parce qu'il va l'aider, va être arrêté. Il va être arrêté le 4 septembre 1672. Alors immédiatement, là-bas, on ne perd pas de pli, vous êtes arrêté, on vous met au Châtelet, directement à la forteresse de Vincennes, et là, on passe à la question.
La question, ce n'est pas de la tarte, c'est une torture. Hein. Donc, il va avoir droit à la question ordinaire, et tant qu'à faire, vu qu'il ne parle pas, à la question extraordinaire. Et courageusement, il ne dira rien, il se taira. Son procès débutera l'année suivante, en février 1673, il sera de nouveau torturé. Et là, on lui explique très gentiment qu'il risque d'être roué vif. Et c'est là que, voulant éviter ce supplice absolument atroce, cette fin atroce, il va se mettre à table. Il va raconter tout ce qu'il sait, et croyez-moi qu'il en sait beaucoup. Hélas, hélas, ça ne lui évitera pas le supplice de la roue qu'il subira en place de grève, aussitôt après la lecture de la sentence, et il mourra dans les conditions les plus abominables qui soient, en mars 1673. Qu'avait donc avoué ce cher Lachaussée de si compromettant. Après que son maître Godin de Sainte-Croix ait fui Paris pour échapper à ses créanciers, qui ne cessaient de le harceler, la marquise de Brinvilliers donc l'a fait embaucher par son papa, Antoine Dredaubray. Et il va expliquer que le 13 juin 1666, ne se sentant pas bien, Antoine Dredaubray fait appeler sa fille. Immédiatement, elle va foncer à son chevet, il est au château d'Offémont, c'est pas à Paris, c'est dans la campagne, et à peine est-elle arrivée qu'il va lui dire « Ma fille, je suis accablée, accablée de maux étranges depuis des mois, et je vais de plus en plus mal. » Elle va le réconforter avec tendresse, et lorsque va lui être servi un bon bouillon à la viande pour le requinquer, et ben, elle va y rajouter un petit quelque chose. Le valet, Lachaussée, va voir ce qui se passe, de toute façon vous allez voir qu'il est au courant, et le pauvre papa, quelques heures après avoir ingurgité son petit bouillon, eh bien, va être pris de vomissements absolument atroces, qui ne cesseront pas jusqu'à son décès, qui interviendra le 10 septembre 1666. Alors, on fera venir des médecins de Paris, ils comprendront pas ce qu'il a, enfin bon bref, c'est terminé. Donc le valet Lachaussée, sous la torture, va avouer qu'avait été mêlé à la nourriture de son nouveau maître, tantôt par lui-même, tantôt par Madame de Brinvilliers, 28 à 30 doses d'arsenic. Donc ils ont choisi la méthode langue, mais c'est efficace. Et bon, c'est fait, Madame la Marquise attend que le pactole tombe, parce qu'elle pense qu'elle va hériter, et bien point du tout. Ses deux frères, enfin son frère Antoine va hériter, celui qui est juste derrière elle. Donc, pas un écu, elle a tué pour rien. Elle se dit qu'à cela ne tienne. Papa est mort, Lachaussée s'est bien occupée de lui, en apparence. Eh bien, on va proposer à Antoine de le prendre à son service. Et ça marche. Et ça marche, et Antoine Dredaubray, fils, va engager Lachaussée. Ce qui signera sa perte. Alors, il ne va pas agir tout de suite. Hein. Il ne va pas agir tout de suite, ça va être plus tard, ça sera 4 ans plus tard. Et il rendra l'âme le 17 juin 1770. Le plus cynique dans cette histoire, c'est comme il avait été un bon valet, gentil, attentionné, ben Lachaussée va être récompensé pour... il recevra de sa part un legs de 100 écus pour ses bons et loyaux services. Vous voyez le truc cynique au possible, enfin bon, bref. En tout cas, bien mal acquis ne profitant jamais, l'héritage n'arrivera pas dans l'escarcelle de la marquise de Brinvilliers. Et là, vraiment, elle est stupéfaite parce qu'elle vraiment, elle pensait qu'elle allait récupérer quelque chose. Ben, pas du tout. C'est son cadet, donc celui qui est juste après Antoine, parce qu'elle est l'aînée, et François s'appelle-t-il, et va hériter de la totalité de la fortune, donc d'Antoine, fils et père, puisque le premier avait hérité du précédent. Et ben voilà. Et alors à l'époque, bon, vivait sous son toit, donc cet Antoine était marié, il va y avoir sa femme qui va rester, et vivait sous son toit également, François. Et donc François, bon, il est tout seul, hein. Mais il y a quand même la sœur Marie-Thérèse, la sœur, parce qu'elle a une sœur de Brinvilliers, qui vit là avec son mari aussi. Donc elle se dit, qu'est-ce que je vais faire?
C'est une mauvaise pioche, voilà qu'Antoine est mort, c'est François qui hérite. Et elle va dire, bah, je vais réessayer encore le coup. François, bah, on va s'occuper de son cas comme des autres. L'ennui, c'est qu'elle a besoin de la chaussée. Les autres sont d'accord pour le garder. Au service, il est déjà là, donc on va le garder. Les Français, là, le pauvre la chaussée, il se dit ça va mal se terminer cette histoire. Il dit non, non, je décline, là ça suffit, il y en a déjà deux, je ne vais pas en faire trois, ça porte malheur, qu'à cela ne tienne. La marquise a ses arguments de poids. Pour le convaincre, elle va lui signer immédiatement une obligation, c'est-à-dire une reconnaissance de tête, pour 100 pistoles, assortie, ça va de soi, de quelques câlineries, ce qu'elle savait très bien faire. C'est ainsi que François de Dreux-Daubray rendra à son tour son dernier souffle le 12 novembre 1670, soit 5 mois après son aîné, et de Troyes. Cette fois, elle croit son apothéose arrivée. Le grand jour approche, elle va pouvoir repartir à Paris, se racheter des robes, vivre comme avant, ça va être super. Eh non, manque de chance, rien, pas un fifrelin. Le François lui a fait le même coup que son frangin et que son papa. Que faire? Que faire? Que faire? Que faire? Alors, bon, elle est quand même aux abois, elle ne sait plus quoi faire. La chaussée n'est plus dans le coup. Elle sent qu'elle est perdue. Bon, elle sent qu'elle est perdue, mais elle a quand même eu du bol. Parce que les petits poisons de Christophe Glavazer ont été impeccables. Ils n'ont pas laissé de traces, parce qu'il y a eu des autopsies après. Et les trois sont morts de mort naturelle pour la science. Ça tombe bien. En attendant, les aveux sur la torture qui amèneront la chaussée à la roue vont amener la Brinvilliers au bio. Vous allez voir. Alors, elle va déjà, après ça, bon, vous savez qu'elle est en fuite, elle n'est pas en France, donc elle va être condamnée par contumace. Elle va être condamnée par contumace en 1673. Donc, on vous condamne, vous êtes condamné à mort, ce qui lui est arrivé, mais on ne vous exécute pas, vous êtes en vadrouille. Mais à l'époque, il y avait une coutume. On exécutait quand même l'effigie. Donc, on met un portrait et on exécute la Brinvilliers. Donc, c'est pas la joie, parce qu'elle sait que si on la rattrape, là, ils passeront carrément à la réalité. On ne va pas l'exécuter par contumace. Hein. En effigie, je veux dire, on va l'exécuter direct. Donc, un policier déguisé en prêtre va réussir à la pister et à la retrouver. Celui-là a été commandité par Louvois, qui a beaucoup intervenu, vous le verrez plus tard dans l'affaire des poisons, qui est le grand ennemi de Colbert. Et il est déguisé en prêtre. Et il va retrouver sa trace. Et ceci le 25 mars 1675. Et elle est où à ce moment-là? Elle a quitté le couvent des chanoinesses où elle était réfugiée pour aller au couvent des bénédictines du quartier d'Avroy à Liège, où elle se terre depuis des semaines. Et il va se déguiser en prêtre et il va l'arrêter. Et cet homme qui vient de l'arrêter, on en parlera tout le temps de l'affaire des poisons. Il s'appelle François Desgrées et c'est un flic absolument extraordinaire. Et puis bon, il faut savoir qu'il a été un petit peu aidé parce que bon, il avait ses espions, il avait des gens qui le rencardaient. Mais en cette année-là, la France, les troupes royales sont en Belgique et elles font le siège de Liège. Et il se trouve que la marquise, était assiégée quelque part, et que le siège tombera 2 jours après son arrestation. Alors, une fois qu'elle est arrêtée, que fait-on de Madame la marquise? Eh bien, on va la transférer à Maastricht, où elle arrivera 4 jours plus tard. On va la mettre dans les geôles de la maison de ville, qui doit être l'équivalent de la mairie de l'hôtel de ville. Elle va rester enfermée un moment. Elle va essayer de corrompre un archer qui s'appelle Barbier, ça ne va pas marcher. Et comprenant qu'elle n'échapperait pas à son funeste destin et que c'est la mort qui l'attend quand on va la transférer en France, eh bien, elle voudra se suicider. Elle n'y parviendra pas, elle fera plusieurs tentatives de suicide, mais c'est la première. Et alors, la manière dont elle s'y est prise pour se suicider est quand même très étrange. On pourrait supposer, quand on veut se tuer, bah, on prend du poison, par exemple. Bah, pas du tout.
Ce qu'elle va faire, elle va casser des morceaux de verre, elle va les introduire dans le vagin pour créer une hémorragie. Mais quelle drôle d'idée! On peut se tailler des veines au poignet, mais ça, franchement. Mais ça, je vais vous dire, ça veut dire ce que ça veut dire. Et vous comprendrez pourquoi ça veut dire ce que ça veut dire. En tout cas, elle a des troubles psychologiques, cette dame. En tout cas, elle est très perturbée, ça, c'est certain. En tout cas, on arrivera à la sauver de cette étrange tentative de suicide. Et on la ramènera plus tard à Paris, parce que vous allez voir qu'elle ne va pas partir, quitter la Belgique tout de suite. Et alors pendant ce temps-là, qu'est devenu le frétillant marquis de Brinvilliers? Ben quand il a senti que ça sentait le roussi parce qu'il allait laisser sa peau à cause des poisons de madame, eh bien, il a attendu que le papa Dreux d'Aubray rende l'âme. Et il a su que bah, y a la succession, le temps que ça se fasse, il y avait un endroit qui était libre, qui était le château de Fémont. Et bah, il est parti là-bas. Et il n'est pas parti seul, il a pris toute sa progéniture, la sienne et celle de Godin d'ailleurs, puisque bah, il a pris tous les enfants, puis la marquise ne s'en occupe pas de ses enfants. Et comme il est vraiment ruiné de Charvinet, bah, c'est l'occasion d'aller s'installer dans un bel endroit, à la campagne, avec toute sa petite marmaille. Donc, tel un coucou repérant un nid sans surveillance, il a filé jusqu'à Ophémont. Sauf que, y a un héritier qui s'appelle Antoine Dreux d'Aubray, qui est le frère de la marquise, et lui, il n'est pas d'accord. Il dit, écoutez, mon cher, vous êtes bien mignon, je comprends très bien votre situation, vous avez des enfants, d'accord, mais enfin, bon, hein, vous êtes quand même chez moi maintenant, alors partez, je vous en prie. Et les tentatives de conciliation à l'amiable ne fonctionneront pas, si bien qu'il faudra deux lettres de cachet pour que le marquis de Brinvilliers daigne enfin lever le camp. Daigne enfin lever le camp, et il aura quand même eu des arguments, il aura dit quand même à son beau-frère, écoutez, cher ami, mes enfants, si je suis là, c'est pour préserver mes enfants, et je vous rappelle que ces enfants sont de votre lignage, donc vous ne pouvez pas les mettre dehors comme ça. Bon, enfin bref, dehors, lettre de cachet, on n'en parle plus. Et ce marquis de Brinvilliers va disparaître dans la nature et on ne le retrouvera jamais. On ne saura jamais où il est parti, on ne saura même pas la date de son décès. Disparu, corps et biens. Alors les enfants, je ne sais pas où ils sont passés, s'ils ils sont restés, où ils sont partis, mais en tout cas, le marquis, terminé. Revenons-en à la marquise. Donc, elle s'étiole dans les geôles de Maastricht. Et elle ne reviendra à Paris que l'année suivante, le 26 avril 1976. Et elle arrive à Paris, on la transfère tout de suite à la conciergerie. Donc la conciergerie, c'est la prison qui est sur l'île de la Cité et qui se trouve sous le palais de justice de Paris, où j'ai eu l'honneur de dîner un jour de gala, il y a très très longtemps, et c'est magnifique, sauf qu'à l'époque, ça l'était beaucoup moins, c'est une prison absolument pas sympathique. Donc le procès de la marquise va débuter 3 jours plus tard, le 29 avril, et il durera jusqu'au 16 juillet 1676. On va immédiatement la soumettre à la question, c'est l'usage. Et pour ce qui la concerne, ben, la question, c'est le supplice de l'eau. Et ça ne va pas marcher. On va pourtant lui faire ingurgiter à cette pauvre petite femme, parce qu'elle est toute petite, 16 à 17 litres de liquide. Et ben, elle dira rien. Alors, par contre, elle a eu un bon mot, si je puis dire, en rentrant dans la salle de torture. Alors, c'est une espèce de planche, il y a une espèce de support avec un immense entonnoir, il y a les seaux d'eau, puis on vous verse ça comme ça, vous voyez? Et quand elle va apercevoir l'entonnoir et les seaux, elle va dire, c'est assurément pour me noyer, car de la taille dont je suis, on ne prétendra pas que je boive tout cela. Je me demande comment on est après avoir bu d'un seul coup autant d'eau. Je pense que d'ailleurs, il y en a qui résistent pas, non pas parce qu'ils éclatent, mais parce que vous noyez tout le système de votre corps. Donc vous pouvez mourir de ça. Donc, elle résiste. Et c'est un miracle d'ailleurs. Et voilà. Et on attend la suite. Alors, l'audience commence et on va aller chronologiquement dans sa vie. Et à un moment, son avocat, qui est un avocat du barreau de Paris, qui s'appelle Maître Nivelle, va évoquer en préface, à plusieurs reprises, mais également dans sa plaidoirie, le terrible viol que la marquise de Brinvilliers a subi lorsqu'elle était même pas âgée de 7 ans. Quand elle a perdu sa maman, bah, elle était aux mains des demi-skis et il y avait un gars qui l'a violée.
Ce qui pourrait expliquer ce geste très particulier, cette tentative de suicide extrêmement particulière dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est affreux, évidemment. Ça a été écrit dans ses confessions compromettantes de sa main, cette histoire de viol. Alors, la question qu'on peut se poser, est-ce que la famille Dreux-Daubray était au courant de ce drame? Probablement, bien évidemment. Et on lui a certainement dit de mettre son mouchoir dessus, parce que c'est une jeune femme de bonne famille, et que dans ces cas-là, on ne se plaint pas, et on laisse passer. En tout cas, elle aura certainement vu la façon à essayer de se suicider, et vu certaines choses, qu'elle a faites, la dépendance affective avec des gars qui étaient quand même un peu particuliers, son traumatisme est resté, manifestement. En tout cas, le secret a été précipité dans les oubliettes de la famille, et ça, c'est encore pire. Vous voyez, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les psys, on n'était pas entourés. Ça a dû être tragique. Donc, elle a subi cela très jeune. Le tribunal, en écoutant ça, aurait pu la plaindre. Pas du tout. Parce qu'on va retrouver également dans les écrits qu'elle aurait entretenu des relations sexuelles avec ses deux frères Antoine et François dès l'âge de 10 ans. Et comble de l'horreur, certaines sources évoquent ces faits plus que dérangeants, allant souligner que c'est elle-même qu'il se serait offerte. Alors ça, franchement, si les juges sont assez truffes pour écouter ça et le prendre au sérieux, je n'en reviens pas. 10 ans. 10 ans, vous vous rendez compte. C'est choquant, 10 ans. Sauf que Marie-Madeleine Dreux-Daubray, c'est l'aînée de la famille. Elle a 10 ans. Celui qui est derrière, c'est Antoine. Il a 3 ans de moins. Donc, au moment de cet inceste, il aurait 7 ans. Et François, qui est encore plus jeune, lui, il a entre 6 et 5 ans. Ça ne tient pas debout. Et pourtant, ça sera pris en compte. Parce que c'est dans les fameuses confessions. Non pas, elle dit qu'elle a eu des incestes avec son frère. Mais le fait qu'on ait dit ça, ben on est parti sur 10 ans. Ça, c'est la fabulation. Comme on dirait que c'est elle qui s'est offerte. Elle ne s'est pas offerte à 10 ans, bien évidemment. Elle a peut-être eu des relations sexuelles avec un ou deux de ses frères, personne n'est d'accord d'ailleurs, mais incestueuse. Mais quand on dit que c'est elle qui les a provoqués, ça m'étonnerait. Hein. Je pense qu'il y a un des frères qui savait le secret de la petite sœur, et dans ces cas-là, bah, à l'époque, c'est l'homme qui domine. Hein. Bah, il avait des besoins, il s'est fait sa sœur. Voilà, c'est affreux. En attendant, inutile de vous dire que cette histoire de fesses glauques au possible va produire un effet extrêmement détestable sur le tribunal et sur l'opinion publique. Parce que ça se sait, bien évidemment. Et ça arrive jusqu'à la cour, où les courtisans, pourtant en grand nombre débauchés et pervertis jusqu'à la moelle, vont en faire des gorges chaudes et vont dire absolument de grosses horreurs sur cette pauvre Bravilliers. Et la première, la marquise de Sévigné, dont vous avez entendu parler, qui ne sera pas en reine. Vous savez qu'elle, c'est les potins de la cour. Elle a la plume virevoltante. Remarquez, je crois qu'il y avait pire, c'était celle qui a succédé à Henriette de France, c'est la princesse Palatine. Je vous conseille d'ailleurs, si vous avez un jour envie de passer de bons moments, c'est de lire les lettres de la Palatine. C'est encore mieux que la Sévigné. Enfin, bref, les deux ont la dent dure. Et donc, évidemment, la marquise de Sévigné, avec cette histoire-là, va en faire des gorges chaudes, certainement, lors de ces peut-être dîners fins entre courtisans où on se cause. Je l'entends dire, pour sûr, celle-là, déjà toute jeune, avait le diable au corps, ça c'est certain. Elle ne l'a pas dit, c'est moi qui vous le dis, mais je la vois assez bien faire ça. Donc, ces confessions compromettantes qu'elle va contester font mouche. Pourquoi elle a écrit ça? On peut se poser la question. Est-ce qu'elle était précisément très perturbée. Est-ce qu'on l'a obligée à le faire? C'était quand même dans le coffret de Gaudin. C'est quand même assez particulier. Donc, ces révélations sont une sordide mise en bouche avant la suite qui va être révélée au cours du procès de Madame de Brinvilliers. Et c'est grave, c'est grave. Elle va nier. Maître Nivelle va faire tout ce qu'il peut pour la défendre, mais il n'y arrivera pas. Il n'y arrivera pas parce que vont comparaître un nombre de témoins dont certains sont très proches d'elle,
ont été très proches d'elle dans son intimité. Il y en a un qui va faire mouche et qui va faire beaucoup de dégâts. Il s'agit de Jean-Baptiste Briancourt, qui a été le précepteur des enfants et qui restait 8 ou 9 mois au domicile, enfin, dans l'hôtel particulier de la rue Saint-Paul, lorsqu'elle vivait encore avec son marquis. Et ça sera ravageur pour sa réputation. Briancourt présente en effet toutes les vertus morales. Il ne peut qu'être crédible, vous allez voir pourquoi. Puis il a un atout supplémentaire, il est beau. Il est très beau. Et il semble timide. Donc, il passe bien. Il va se présenter comme un ancien séminariste, on ne peut pas rêver mieux, qui a finalement renoncé à la prêtrise. Et quand il a fait la connaissance de la marquise, il était avocat stagiaire. Mais il s'est dit qu'il préférait l'enseignement, donc l'avocature. Et alors il a expliqué au tribunal que son rêve, c'était d'enseigner à la Sorbonne. Rien que ça. Et puis, il va passer aux aveux concernant la marquise. Il va dire avec une certaine gêne, il savait très bien faire ça, que la marquise l'a séduit et qu'elle a fini par la faire succomber, il est devenu son amant. Quelle horreur! Et il dit ça d'un trait, l'œil baissé, presque penaud. Et puis il va continuer. Il va dire, quand elle a vu que j'étais amoureux d'elle, eh bien, elle va me proposer l'affaire, c'est-à-dire empoisonner sa belle-sœur, la veuve d'Antoine, et sa sœur Marie-Thérèse. Et lui va refuser catégoriquement sa proposition, de même que d'écouter les sordides confidences qu'elle va commencer à lui faire, dira-t-il. Elle le traitera même de censeur et le prendra en grippe. Il en sera offusqué devant le tribunal. Mais c'est pas tout. Vous savez, faut toujours qu'on en rajoute un peu. Donc il va dire que la marquise a essayé de le faire poignarder et même de le tirer à balle. N'importe quoi. Alors là, c'est trop, vous voyez. Mais enfin bon, ça va très bien marcher. Ça va très bien marcher, surtout quand il va expliquer que terrorisé, il va prendre les jambes à son cou pour fuir à Aubervilliers, où il vivra en solitaire pour ne pas dire en ermite, et qu'il fera enfin, ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire enseigner, et il enseignera chez qui? Chez les oratoriens. Voilà. Donc, quand elle entend ça, la marquise hurle au scandale, au mensonge, elle nie farouchement, il ne s'est rien passé pour elle. Avec Briancourt, ce qui est probablement le cas d'ailleurs, je pense pas que. Bon. Et voilà. Et Briancourt sera pas le seul à son service à raconter des horreurs et à livrer des anecdotes compromettantes sur sa personne. Et il y aura quand même des choses qui sonnent mieux, moins faux en tout cas. Et notamment ce que dira Jeanne Blanchard, l'une de ses servantes. Elle dira qu'un soir où elle était entrée dans la chambre de la marquise, elle l'a trouvée avec Godin de Sainte-Croix, et voilà que malencontreusement, elle fait tomber une petite boîte. Et au moment où elle fait tomber la petite boîte, la marquise s'exclame « Oh, ma boîte aux successions !» C'est très bien ce que c'est. Un autre soir, ayant un peu arrosé son dîner, elle va déclarer une autre servante à son service, donc ennemie huette, en lui désignant la petite boîte qui est sur la table. Voilà de quoi se venger de ses ennemis, elle est pleine de successions. Ça, c'est du domaine du possible. En tout cas, quand elle se rend compte de sa gaffe, elle va se reprendre aussitôt et dire « Bon Dieu, que vous ai-je dit ? Ne le répétez à personne. » Trop tard, le mal est fait. Et des témoignages de ce genre, il y en a un paquet. Et à chaque fois, la marquise, évidemment, ira. Elle aura beau tout nier en bloc tout le long du procès, se défendre griffes et ongles, prétendant tout ignorer de la science des poisons, des contre-poisons, clamer avec force que sa prétendue confession écrite n'était qu'un instant de folie passagère, ce qui est possible. Mais pas surtout, peut-être qu'elle a dit des choses. Enfin bon, en tout cas, ça ne fera rien. Ça ne fera rien du tout. Son avocat, Maître Nivelle, va être extrêmement bon, si je puis dire. Il va faire une plaidoirie extrêmement talentueuse. Il va souligner la faiblesse des preuves, parce que c'est des affirmations gratuites, finalement. Ils disent qu'il n'y a pas de preuves, sur les griefs. Il va dire qu'il n'y a jamais eu de reconnaissance des faits, hein, pas d'aveu. Bon, ça sera peine perdue. Finalement, la marquise n'a pu guère se défendre, ni son défenseur être entendu. La sentence, pourrait-on dire, était rendue d'avance. Oui, le jugement sera prononcé le 16 juillet
1676, et on la reconnaîtra coupable d'empoisonnement, d'avoir empoisonné au moins deux personnes. Alors, elle a empoisonné les trois, ça c'est sûr, mais aucun jugement, enfin aucun compte-rendu ne donne les bons chiffres. Donc, on lui dit au moins deux personnes, moi je pense qu'il y avait trois, et on va la condamner à mort. À mort à nouveau, elle avait été par contumace, et on va adjoindre à cela l'amende honorable. Vous allez comprendre ce que c'est. Le lendemain 17 juillet, on va la réveiller à l'aube pour lui faire de nouveau subir la question. Parce que c'est d'usage, une fois que vous êtes jugé, avant de passer à la trappe, on vous remet un petit coup de torture, c'est meilleur, vous voyez? Donc, paf, renouveau question, elle va réavouer ses crimes, des crimes pour lesquels elle était jugée. C'est quand même bizarre la justice à cette époque-là. Hein. Voilà, donc, puisque c'est l'usage, allons-y, puis on va lui envoyer le prêtre. Et le prêtre, c'est l'abbé Pirot, c'est un théologien qui occupe aussi la fonction de chanoine à Notre-Dame de Paris. Donc, il va la préparer à son amende honorable, à la formulation. En fait, il faut avouer ses crimes dans le cadre de l'amende honorable, publiquement, et demander pardon à Dieu, à la société et aux hommes. Elle fait de la résistance. Elle fait de la résistance, qu'elle a niée jusqu'au bout. Et elle dit à l'abbé, moi je ne dirais pas ça, je n'ai pas commis de crime, je suis une innocente. Et lui, il dit, Madame, de toute manière, bon, allez, allez-y. Et il va la faire plier. Et il va la raisonner. Et il va la rassurer. Il va lui dire, si vous faites ça, Dieu vous en sera gré. Allez-y. Et là, stupeur et tremblement, ce brave abbé voit la brésilier changer tout au tout et se convertir. D'un seul coup, il voit la sincérité de son appel, de l'appel qu'elle a de Dieu, de sa foi, qui est vraiment sincère. Il va la conduire aussitôt à la chapelle de la conciergerie afin qu'elle prie pour sa pauvre âme, ce qu'elle va faire avec la plus grande ferveur, dira-t-il. Et avant de quitter l'endroit, elle va demander à d'autres condamnés de prier pour son âme. À 8 heures du matin, pieds nus, on lui a rasé les cheveux, elle a une espèce de bonnet de coton, on va la vêtir d'une chemise blanche de toile grossière, et elle sera menée en charrette jusqu'au parvis de Notre-Dame. Devant la foule qui se presse, on lui mettra un cierge des pénitents à la main et un crucifix dans l'autre, et avec à ses côtés le chanoine Pirot qui l'aidera dans sa formulation d'amende honorable, elle va déclarer d'une voix tremblante en regardant le peuple bien droit dans les yeux tout ce qu'elle a fait et les crimes qu'elle n'a pas fait, en fait, tout ce qu'on lui a dit de dire, quoi, finalement. Et là, le peuple est assez sidéré. Et on ajoutera dans ses chroniques aussi qu'elle ne s'est pas, elle a pas demandé seulement à Dieu, elle a demandé pardon à Notre-Dame, donc à la Vierge Marie. La voici partie dans la charrette jusqu'à la place de Grève, il suffit de traverser la Seine. La place de Grève, eh bien c'est l'actuelle place de l'Hôtel de Ville où il y a la mairie de Paris. Et le parcours est noir de monde. Aux fenêtres, alors sur le pont qui va de l'autre côté, là, à la place de Grève, il y a des maisons. Donc, ben, il y a des gens aux fenêtres. Hein. Sur tout le parcours qui dure 5 minutes, il y a du monde. Il y en a qui l'invectivent, évidemment, c'est affreux. Et arrive la charrette au mauvais endroit, au pied de l'endroit où on va la supprimer. Patiente là, André Guillaume, le bourreau de Paris. On va la voir descendre recueillie de la charrette. Elle semble dans une paix totale. Ceux qui vont la voir passer vont être assez impressionnés. Le bourreau va lui bander les yeux et sans plus attendre la fera s'agenouiller, lui mettra la tête sur le billot et plaf, d'un coup d'épée, elle était aristocrate, pas lâche. Et dans ce moment affreux, le peuple de Paris chantera le Salve Regina. Je vous salue Marie. À 46 ans, la marquise de Brinvilliers vient de rendre son âme à Dieu, à moins que ce ne soit au diable. Le bourreau va porter ensuite ses restes jusqu'au bûcher, il va les porter dans ses bras, et la première chose qu'il mettra au feu, parce que comme elle a été convaincue de sorcellerie, l'empoisonnement c'est de la sorcellerie, donc on la brûle. On la brûle, donc on va jeter le bourreau va d'abord jeter la tête, et là les énervés vont courir pour voir la tête cramée dans les flammes. Bon, c'est affreux, vous voyez un petit peu.
Quelques personnages importants ont assisté au supplice, et parmi celles-là, il y a une certaine Olympe Mancini, qui est la veuve du comte de Soissons. Celle-là fut un des premiers amours, un des flirts du roi quand il avait 16 ans, et vous le verrez plus tard, celle-ci n'est pas un modèle de vertu. Il y aurait aussi, dans la foule, et bien installée certainement dans un immeuble qui a vue sur la place de Grève, un certain Charles Lebrun, qui est le peintre officiel de la cour et qui s'est aussi déplacé. Il fera un portrait unique de la condamnée, que vous pouvez voir sur Internet. Ce dessin est devenu célèbre et la voit les yeux levés vers le ciel, avec le visage qui affiche l'expression qui l'habite dans ses derniers instants. Plus tard, le chanoine Pinault, donc le chanoine de Notre-Dame de Paris, va dire quelque chose d'assez stupéfiant. Il va dire qu'elle était tellement sereine et tellement dans l'élévation dans ses derniers instants qu'il a eu le sentiment d'avoir face à lui une sainte. Bon, en attendant, il y en a une qui est toujours aux premières loges et qui ne rate jamais rien, c'est la marquise de Sévigné. Ben justement, là, elle va rater la décapitation. Y a-t-il eu des embouteillages? Est-elle partie en retard? J'en sais rien. En tout cas, elle arrivera au moment de la fin de la crémation. Elle dira quand même son petit mot, hein, elle est quand même déçue, elle dira qu'elle était très déçue de ne pas assister au pillage. Depuis la tête d'ailleurs d'une des maisons du pont de Notre-Dame. Donc elle voit la fin de la crémation et puis elle va voir les cendres jetées dans la Seine, encore fumantes. Et voilà ce qu'elle va dire. On va jeter aussi les fioles, les poudres, tout ce qui appartenait, soi-disant, à Madame de Brinvilliers. Elle dit, c'en est fait. La Brinvilliers est en l'air, son pauvre petit corps a été jeté après l'exécution dans un fort grand feu et les cendres au vent, de sorte que nous la respirerons, et par la communication des petits esprits, il nous prendra quelques humeurs empoisonnantes dont nous serons tous étonnés. C'est ce qui s'appelle un bon mot de la marquise, mais quand même Bachard. Comme vous l'avez vu, l'exécution s'est déroulée en deux temps. D'abord une décapitation et ensuite la crémation de ses restes sur un petit bûcher. Eh bien, ça, c'est un privilège réservé aux aristocrates. Cette caste des aristocrates ne pouvait pas brûler dans les flammes, même s'ils s'étaient mêlés de sorcellerie, ce qui leur valait le bûcher. Donc, on leur épargnait l'atroce souffrance d'être brûlés vifs. Cette crémation aussi avait un avantage pour ces gens-là, c'est que ça évitait qu'on prenne quelques reliques pour en faire des saints. Et pourtant, la foule va se retirer après avoir vu cette exécution, très troublée pour certains. Certains restent silencieux, ne savent plus quoi penser, parce qu'ils ont vu le regard de la Brinvilliers pendant sa repentance, et au moment où ils chantaient le Salve Regina, et ça les a frappés. Et le lendemain, eh ben, ça va tellement frapper quelques-uns qu'il va y avoir une émeute. Et on dira, et si l'on avait brûlé une sainte? Et cette émeute, c'est les gens de cette émeute vont réclamer à grands cris les débris d'eau qui n'auraient pas encore été jetés dans la Seine pour en faire des reliques. Ce dont une fois, évidemment, Madame de Sévigné ne manquera pas de se gausser. Ainsi, malgré toutes les vilenies qu'on a pu dire sur cette pauvre Brinvilliers, ben, il restera quand même certains et certaines qui sont persuadés et seront persuadés que ben, on vient de brûler une sainte. Ça sera aussi le cas de Maître Nivelle, son avocat, qui le proclamera haut et fort et qui sera complètement effondré, non pas parce qu'il a raté son travail, mais parce qu'il ne pouvait pas, de toute façon, il savait qu'il s'était perdu, mais il est persuadé de son innocence. Et on est loin d'imaginer, avec la fin de ce procès et cette exécution, qu'il y aura une suite et non des moindres. Pour un temps, la sulfureuse marquise, à peu près 3 ans, sera totalement passée aux oubliettes. Mais c'est quand même, sans qu'on s'en doute, le début de l'affaire des poisons qui s'est manifestée. Mais nul ne s'en doute encore, vraiment. En attendant, cette affaire a causé une inquiétude au pouvoir royal. Parce qu'on s'est aperçu à l'occasion de l'affaire de la Brinvilliers que certaines personnes de qualité et proches du roi étaient en cause. Et puis, bah oui, le fameux Pierre-Louis Rêche de Pénautier, financier de haut vol, comme je vous l'ai dit, trésorier de Languedoc et trésorier de France, proche du pouvoir royal. C'était un homme de Colbert, comme je vous l'ai dit, il soutenait avec force la politique économique de Colbert. On sait qu'il a prêté des fonds à Madame de Brinvilliers, mais pire encore, c'est qu'on a découvert des courriers que Madame de Brinvilliers lui avait envoyés pendant son exil, sa fuite plus exactement, pour lui demander de l'argent.
Donc tout ça a mis la puce à l'oreille. Et voilà, qu'en 1669, il est accusé par une certaine Madame Halivel de Saint-Laurent, dont le mari est décédé le 2 mai de cette année-là, de l'avoir empoisonné afin de lui piquer sa charge. Le défunt occupait alors celle de receveur du clergé de France, donc Monsieur Halivel de Saint-Laurent, et voilà que Pénautier prend sa suite le 12 juin 1669. Donc elle est persuadée qu'il l'a empoisonné. Bon. Et on va interroger, parce qu'on est en pleine procédure avec Madame de Brinvilliers, on va l'interroger, la Brinvilliers, en lui disant Pénautier, vous lui avez vendu des poisons, vous êtes au courant de quelque chose. Et elle va répondre sobrement, s'il dégoutte sur moi, il pleuvra sur Pénautier. Pas plus. En tout cas, ça va valoir à Reich de Pénautier de se retrouver le 15 juin 1676, emprisonné à la conciergerie. Il n'en sortira que 13 mois plus tard, en juillet 1677, blanchi de toute accusation d'empoisonnement, mais le scandale a été immense et a touché de près le roi, à mesure où c'était un ami de Colbert. Et finalement, la marquise de Brinvilliers reviendra sur ses ambiguïtés et dira qu'il était innocent. Il aurait été défendu par des ecclésiastiques de haut rang également, qui prendront la défense de ce monsieur, pour dire qu'il n'avait rien à voir là-dedans. En attendant, Louis XIV, qui est très énervé, va écrire le 26 juin 1676 à Colbert en ces termes, ce qui scellera, vous verrez, le destin de Madame de Brinvilliers. Voilà ce qu'écrit le roi. Sur l'affaire de Madame de Brinvilliers, je crois qu'il est important que vous disiez au premier président et au procureur général, il écrit ça à Colbert, vous direz ça de ma part, tout ce que des gens de bien comme eux doivent faire pour déconcerter, donc décourager, tous ceux de quelque qualité, on peut penser aux aristocrates, qui sont mêlés dans un si vilain commerce. Donc, vous direz ce que vous avez à dire au premier président et au procureur général, qui ne se trompent pas dans leur jugement et qui condamnent bien ceux qui sont mêlés dans un civil en commerce. C'est ça, la traduction. Ça veut dire la Brésilier à mort. Voilà ce que dit le roi. Et suivons les ordres. Terminé pour la marquise. Elle sera donc décapitée en place publique. Donc on voit bien que Louis XIV, dès ce moment, a pris la ferme décision de démanteler les réseaux d'empoisonneurs et de ne pas faire de cadeaux, même à des aristocrates. Hein? Il n'y a pas de protection. Mais cette affaire de poison, ça c'était la mise en bouche, si je puis dire. Mais cette affaire de poison va vraiment débuter en 1678. Alors, on va parler de l'araignée, Nicolas de l'araignée, parce que sans lui et le fameux François Desgrais qui a été arrêté à Brinvilliers à Liège, il n'y aurait peut-être pas eu d'affaire des poisons. Depuis mars 1667, un personnage d'importance a été nommé à la tête de la police de Paris. Ce personnage, c'est Gabriel Nicolas de l'araignée. Grâce à cette ténacité, à ses compétences, on peut dire qu'il a permis que cette affaire, qui était susceptible d'ébranler le pouvoir royal, puisse être menée à son terme et tous les impliqués punis. Alors l'araignée, c'est qui? C'est un ancien magistrat qui siège au Conseil d'État et on va le considérer dans la police toujours comme un père fondateur de la police judiciaire. Donc il a été le premier chef de la police française. Auparavant, c'était les magistrats qui géraient les affaires de police. Donc, ils faisaient les enquêtes, ils les faisaient pour quoi. Donc, Paris était devenu un concorde. C'était en Europe, c'était la ville la moins sûre d'Europe. On y assassinait pratiquement tous les jours. Avec l'araignée, tout va changer. Première chose qu'il va faire, il va déglinguer définitivement, raser la cour des miracles, qui existe depuis le Moyen Âge quand même, qui est en plein centre de Paris. Alors c'était un amassis de cabanes, il y avait une espèce de forteresse bizarroïde avec des tours de guingois qui était au milieu de tout ça, il y avait une faune d'assassins. Donc cette cour de miracles, c'était une zone de non-droit, de violence, et tous les malotrus qui assassinaient les gens, qui les volaient, venaient de là. Et des policiers
qui avaient essayé de s'y aventurer. Bon, on les avait retrouvés sur le bord de la Seine, sur la grève, zigouillés, quoi. Donc, c'est Colbert qui a remarqué l'araignée et qui l'a nommée à ce poste. En prenant en main la direction de la police parisienne, celui-là va rétablir l'ordre, la sécurité dans la capitale. Et l'on peut dire que si on doit l'éclairage public à Paris, eh bien, c'est à ce l'araignée. Car il a décidé, parce que les meurtres et les assassinats se faisaient plutôt de nuit, et que, bah, que les Parisiens pourraient être en sécurité, on les prendrait pas dans les rues sombres, on va éclairer la ville. Voilà. Donc ça, on le doit à monsieur de l'araignée. Donc, il a fait un petit ménage préalable au grand nettoyage. Et une fois que cette cour des miracles sera dispersée vers les provinces de France, parce que tout le monde est parti, eh bien, on va y voir un peu plus clair, mais il y aura quand même du travail. Et Nicolas de l'Araignée va rapidement devenir les yeux et les oreilles du pouvoir. Il va faire un immense travail. Il est intelligent, il est intuitif. Il va organiser magistralement la police en dépit du peu de moyens qu'il dispose. D'ailleurs, il en a si peu que cet homme très riche ponctionne souvent dans sa cassette personnelle, qui est heureusement bien garnie, pour que ses services puissent fonctionner. Et ces services vont fonctionner comment? Avec tout un réseau d'indicateurs. Et qui va organiser ce réseau? Le fameux François Desgrées, dont je vous parlais tout à l'heure. Et il va prendre ces indicateurs dans tous les milieux de la société, ce qui leur permet d'infiltrer tous ces milieux sans être remarqués. Et tout cela sera évidemment rémunéré, et la plupart du temps, sur la cassette de l'araignée. Donc, grâce à ces réseaux, l'araignée est informée pratiquement en temps réel de tout ce qui se trame au sein de la capitale, même ailleurs. C'est grâce à lui que de vraies enquêtes de police et systématiques vont être faites. L'homme va se poser beaucoup de questions. Est-ce que la torture, la question, ça sert à grand-chose? Parce que finalement, les gens disent n'importe quoi quand ils souffrent pour que ça s'arrête. Donc souvent, bah, ça va amener à l'échafaud des innocents. Hein? Lui, ce qu'il veut, c'est pouvoir remonter les filières, avoir des informations fiables. C'est pas un coupable. Le coupable, il vient après. Voilà. Et puis une fois que bah, on a tout le truc, on a remonté toutes les filières, bah, ça se reproduit pas. Donc sa vision de la police, vous l'avez compris, est une conception absolument différente de tout ce qui a existé auparavant. Et Louis XIV va admirer Nicolas de l'Araignée. Il peut plus se passer de lui. D'ailleurs, il va le faire bosser jusqu'à 80 ans, bien tapé. Et je peux vous dire que la tâche de cet homme a été bien lourde. Parce qu'au moment où cette affaire de poison va arriver sur la table, eh bien, il a deux supérieurs hiérarchiques. Deux qui ne peuvent pas se blairer. L'un qui s'appelle Louvois, qui est le ministre de la Guerre, et l'autre qui est Colbert, qui est le Premier ministre. Voilà. Donc, ce n'est pas toujours évident pour lui. Et surtout que vous allez voir que c'est une affaire politique, quelque part en arrière-fond. Donc, le grand nettoyage pour délivrer Paris de ses empoisonneurs va débuter en 1677. Quand une dénommée Madeleine Guénivaud, dite Lagrange, va être arrêtée par les hommes de François Desgrées. Sous l'autorité de l'araignée, Desgrées, qui occupe la charge également de chevalier du guet, c'est-à-dire qu'il veille sur le sommet des Parisiens, est inspecteur de la sûreté maintenant, qui est sa première fonction. Et comme il a été très actif pour mener l'enquête de la Brinvilliers, bah là, il est vraiment le numéro 2. Mais presque fusionnel avec le numéro 1. Il va faire vraiment un énorme boulot. Donc, il va se donner du mal parce qu'il y a une raison. Il a été un des fidèles officiers du père de la marquise de Brinvilliers, Antoine de Dreux-Daubray. Donc, il la connaissait bien. C'est peut-être pour ça qu'il l'a poursuivi, d'ailleurs, parce qu'il la connaissait depuis le début. Et il a vu ce qui s'était passé. Et son chef, qui était le père de la marquise, avait été pour lui quelqu'un qu'il admirait beaucoup. Donc, je pense que s'il s'est donné du mal pour arrêter la marquise, eh ben, c'est qu'il avait un petit compte à régler. Voilà. En attendant, pour en revenir à cette dame Guenivaud, dite Lagrange, elle est arrêtée par ses indicateurs. Et elle va se définir en toute simplicité comme une artiste des poisons. Donc, elle vend ses substances, elle en fait commerce, elle les fabrique, elle ne s'en cache pas, elle a pignon sur rue, tout va bien. À l'époque, il y avait ça. Et le 5 décembre 1677, ça sera quelqu'un d'autre qui va être arrêté.
Un noble, un aristocrate, un officier de marine qui s'appelle Louis de Vanins. C'est lui, on le soupçonne d'avoir empoisonné le duc de Savoie en 1675. Donc là, on commence à lever du gros gibier. Et plus on avance, plus on se rend compte qu'une frange de la société, non des moindres, parce que ce sont les milieux de l'élite, raffole de la magie, des arts divinatoires, collectionne les talismans, les amulettes, les miroirs magiques, l'usage du sort, jeté à des ennemis, les poupées de cire qu'on transperce d'aiguilles. Ne parlons pas des formules sorties de vieux grimoires que l'on récite avec concentration à la lueur des chandelles. On tombe là-dessus. Mais surtout, ce qu'on va découvrir, c'est qu'on extermine à coups de poison, à tout va. Quelqu'un se met en travers de votre ambition, allons-y. Un mari qui entrave votre liberté, allons-y. Un papa aussi, vous l'avez vu. Du poison, on use et on en abuse. Autant pour se relibérer d'un, débarrasser d'un rival en affaires que d'un convoi géant, donc pour hériter plus vite surtout. D'où les poudres de succession. On n'a pas de scrupules, on n'a pas d'état d'âme. Et puis on va tomber sur les messes noires. Alors ça, c'est un autre gabarit. Et elles sont assorties le plus souvent de sacrifices humains. C'est ce qu'on va découvrir. Ça, c'est une nouveauté. Et ce qui va mettre le feu aux poudres, c'est quand il y aura un dîner. Un dîner, alors là, c'était des amuse-bouches dont je vous ai parlé, mais là, on tombe dans le sérieux. À la fin de l'année 1678, vous avez une devineresse très en vue, une dénommée Marie Vigoureux, autrement nommée la Vigouroux. La Vigoureux, elle est veuve d'un marchand de chevaux. Alors pourquoi? Alors vous verrez qu'on dira Labrinvilliers. Alors ça, c'est pas normal parce que là, quelque chose, c'est la femme du peuple qui est appelée comme ça. Ça, c'était pour rabaisser la marquise de Mavilliers. Mais vous aurez la voisin, vous allez avoir la bosse aussi qui va arriver avec la Vigoureux. Parce que ce soir-là, au dîner, au petit dîner aux chandelles de la Vigoureux, dîne une de ses meilleures amies, Marie Bosse, épouse d'un certain François Mulpe, qui a été condamnée aux galères parce qu'il avait fait de la fausse monnaie, qu'elle n'a jamais revue d'ailleurs. Et celle-là, elle est très prisée dans les milieux parisiens, pour ses talents de chiromancienne, et pas pour ça, vous allez voir. Et le dîner auquel elle participe est fort bien arrosé, si bien que la bosse a un coup dans le nez. Et comme elle est un peu forcée sur ses élixirs de Bacchus, eh ben, elle raconte des âneries, évidemment. Elle a le teint rouge, elle donne de la voix, et à un moment, la remarque d'un convive la fait hurler de rire, et voilà qu'elle se met à vanter ses ventes de poison, finalement, et pas à n'importe qui, à des personnages importants. Et elle dit qu'elle a fait fortune avec tout ça, de ce vilain commerce. Et voilà ce qu'elle dit. Oh, quel beau métier, quelle belle clientèle. Je ne vois chez moi que duchesse, marquise, prince, seigneur. Encore trois bons coups et je me retourne, je me retire fortune faite. Manque de bol. À table, parmi les convives, il y a une taupe. Un indicateur du premier lieutenant de police de Paris. Il s'appelle Perrin, celui-là. C'est un petit avocat du barreau de Paris, sans cause, il n'est pas très doué probablement, puis ça rapporte mieux de jouer les espions. Donc dès le lendemain, plouf, il fonce voir François Desgrais, lui raconte l'affaire. Et comme lui, à ce moment-là, il enquête vraiment, il est à fond dedans sur toute une filière de décès suspects qui pourraient être bien liés à des empoisonnements, ça l'arrange. La bosse aurait mieux fait de se taire ce soir-là. Pour l'araignée, c'est un indice important, hein, donc il faut y aller voir un peu de plus près. Et il y aura un autre élément déclencheur dans cette affaire de poison, qui est une découverte qui a été faite l'année précédente dans un confessionnal de l'église de l'abbaye des Jésuites rue Saint-Antoine à Paris. Donc on était en 1677, et c'est un billet anonyme faisant allusion à un projet de complot ourdi contre le roi et le dauphin, qu'il était question de tuer en utilisant de la poudre blanche. Tiens donc. Et on va remonter jusqu'au coupable. Et sur quoi va-t-on tomber? Sur le comte Robert de la Mirée, seigneur de Bachimont, qui sera arrêté avec son épouse à Lyon le 17 mai 1678, et le couple est soupçonné d'avoir déjà empoisonné le duc de Savoie à Turin. Donc on se relie avec le premier aristocrate qui avait été mis en cause. Mais forcément, parce que c'est lui qui a fourni le poison, le fameux comte qui vient d'être arrêté. C'était un alchimiste.
lui aussi, comme tous les autres, parce que les empoisonneurs avaient leur laboratoire, donc il a monté son laboratoire. Bon, le couple sera emprisonné à vie à la forteresse Saint-André-de-Salins, dans le Doubs. Alors, il paraît qu'il faisait du chahut. Ils ne comprenaient pas que aristocrates soient enfermés comme des malandrins. Donc, ils n'arrêtaient pas d'embêter le monde. Et le directeur de la prison avait beaucoup de mal avec eux. Enfin bon. En tout cas, suite au dîner au cours duquel elle a trop parlé, la chiromancienne Marie Bosse va tomber dans le piège que va lui rendre la police. C'est une idée de François Desgrées. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un de ses sergents qui est un type sympa, qui bosse sous ses ordres et qui est marié. Donc il va lui dire, il va envoyer sa femme en mission. Et cette dame, épouse de policier, va être missionnée pour se rendre chez la bosse, sous le prétexte de connaître l'avenir, en se faisant tirer les cartes. Et puis bon, voilà, et puis une deuxième fois, elle va revenir et elle va profiter pour avouer, sous le ton de la confidence à la bosse, qu'elle a un mari. Ce mari, pas de la tarte, hein, l'aimerait bien. Qui dégage. Et à cette occasion, elle lui dit, vous connaîtriez pas quelqu'un qui aurait peut-être des petits poisons à me vendre? Vous inquiétez pas, madame, je vous arrange ça. Et quelques jours plus tard, Marie Bosse va lui remettre une petite fiole d'un poison mortel qui va être analysée par un apothicaire qui en déduira que quelques routes auraient suffi pour décimer un troupeau de bœufs. Voilà, donc c'était du lourd. Prise la main dans le sac, Marie Bosse va être arrêtée, ainsi que sa fille Manon, son fils aîné, et puis un deuxième qui travaille pour la garde royale. Et il se dit que quand la police va arriver et peut-être casser la porte, bah, ils vont trouver une partie de la famille en train de forniquer allègrement. C'est une manie chez les cartomanciennes devineresses empoisonneuses, vous verrez. En tout cas, quand on va perquisitionner chez Marie Bosse, on va trouver tout, hein. D'abord un petit laboratoire avec de l'arsenic, bien sûr, des poudres de chauve-souris, de taupe séchée, de la très toxique poudre de cantharide. Alors la cantharide, quand elle est bien dosée, ça fait certains effets agréables. Si elle est mal dosée, c'est mortel. À haute dose, hein. On va même découvrir de la poudre d'écrevisse, de l'ébor, enfin toutes les fantaisies qui font de l'effet. Et c'est pas tout. On va trouver des rognures d'ongles, comme chez les sorcières, des cheveux, enfin bon, bref. Mais surtout, quelle horreur. Il semblerait qu'on ait trouvé du sang humain dans des flacons. L'arrestation a eu lieu le 4 janvier 1979. Elle va d'abord être interrogée au Châtelet, sans même qu'on ait besoin de la torturer, elle lâche, hein, elle lâche tout. Elle va accuser une certaine Catherine Monvoisin de lui avoir mis de la chimie dans la tête, et elle va dénoncer à tout va. Et la liste sera longue. Suite à cela, on va l'envoyer à Vincennes. Ils vont tous aller à Vincennes, hein. Alors, qui héberge, quelle est la partie de ce château de Vincennes qui héberge tous ces gens? C'est un grand donjon qui n'est pas très agréable, et donc tout le monde se retrouve là. Donc là-bas, elle va immédiatement être torturée, même si elle a des hérités. Il faut qu'elle livre des gens, donc elle va y aller plein pot. Et les majorités des gens qu'elle va livrer étaient des femmes. Des femmes qui sont venues la voir parce qu'elles n'en pouvaient plus de leur mari et elles voulaient les supprimer pour ne plus avoir à supporter leur manière de faire. Bon, je vous l'ai dit, à l'époque, la femme était bonne à faire des enfants, à servir de tout ce que vous voulez, y compris de banquier, hein, avec la dot. Donc, elle n'avait pas de droit du tout. Donc, il y en a qui vraiment n'en pouvaient plus. Et beaucoup disaient que la liberté passait par le veuvage. Et d'ailleurs, la marquise de Sévigné, que j'aime bien, comme vous l'avez compris, mais je l'aime bien, hein, malgré tout, parce qu'il faut la lire, eh bien, s'est réjouie à plusieurs reprises publiquement d'avoir été veuve à 28 ans. Son mari s'étant fait trucider lors d'un duel, parce que du coup, bah, elle était libre. Elle en a bien profité. En attendant, sous la torture, Marie Bosse va parler beaucoup, 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 non seulement de ses poisons, mais de toutes les personnes impliquées, de leur trafic. Et puis elle va parler des messes si particulières qu'elle faisait dire pour ses clients, ou ses clients plus exactement, afin de faciliter les mariages et les décès. Et pendant le procès, ça continue les tortures. Des fois, vous pouvez être torturé dans le tribunal. Hein? Et puis à la fin, bah, c'est tragique pour elle. Elle est tellement torturée qu'elle ne tient même plus debout. Elle n'a plus de cheveux. Elle est dans un état épouvantable. Donc elle va comparaître devant cette chambre qui va être créée, dont je vais vous parler, par le roi Louis XIV, qui s'appelle la chambre ardente. Et cette chambre sera créée en avril 1600.
79 sur ordre de Louis XIV. C'est vraiment le roi qui décide. Et tout le monde sera jugé dans cette chambre ardente. Elle est connue également sous le nom de chambre de l'arsenal, puisque c'est aussi parfois comme étant la cour des poisons. Alors la première chambre ardente qui a été créée par un roi de France, qui a été créée tout court, ce sera par François Ier en 1335. Et il y aura des chambres ardentes jusqu'à Louis XIV. Je pense que l'affaire des poisons, il me semble que ce sera la dernière. Hein? Donc ces chambres ardentes sont toutes créées sur ordre royal pour statuer sur des affaires très complexes et tout à fait particulières, et notamment des crimes qui sont relatifs aux affaires portant d'atteinte à l'État, donc au pouvoir royal. Ce n'était pas une juridiction permanente comme la cour d'assises, c'était juste pour juger telle ou telle affaire. Il y avait des règles strictes et extrêmement surprenantes à respecter dans son fonctionnement. D'abord, le procès devait se tenir à huis clos. Dans la salle, aucune lumière ne devait filtrer. Ça n'était éclairé que par des torches. Et les murs étaient tendus de tentures de velours rouge, certains diront de velours noir. Enfin, c'était une sorte de mise en scène, de décorum de l'antichambre de l'enfer. Voilà. Donc les juges étaient membres du Conseil d'État. Il y avait également des magistrats qui étaient les meilleurs parmi les magistrats français. Et on écoutait et on torturait beaucoup, beaucoup, pour faire avouer les infortunés quand on voyait qu'il y en a un qui calait un peu, qu'on disait pas assez, allez hop, c'était bon. Et d'ailleurs, il faut savoir, il faut rappeler qu'avant l'affaire des poisons, quelqu'un que tout le monde connaît y a été jugé par cette chambre ardente qui avait été créée par l'occasion par le roi Louis XIV, qui est Nicolas Fouquet, qui était son grand intendant, à qui on reprochait d'avoir pioché dans les caisses. Donc l'araignée, devant cette chambre ardente, sera présent à toutes les audiences en tant que rapporteur sur ordre royal. Marie Bosse va tout avouer, tout ce qu'elle sait, ce qui impliquera beaucoup de monde et du beau monde, et elle sera finalement condamnée à mort. On saura après que les juges ont hésité sur le châtiment à lui octroyer. Serait-ce une décapitation simple, une pendaison, une purification par le feu? C'est la dernière solution qui sera retenue, c'est-à-dire le supplice du bûcher. Marie Bosse périra dans les flammes, donc sur la place de Grève le 8 mai 1679. Son fils, un de ses fils sera pendu et sa fille Manon terminera ses jours entre les murs d'un couvent. Dans le même temps sera jugé par cette même chambre ardente son amie la Vigoureux, celle qu'il avait conviée au funeste dîner où elle s'est un peu murgée, comme on dit vulgairement. Et la Vigoureux, on va en parler. De son vrai nom, elle s'appelle Marie Vaudon. Vaudon, elle est l'épouse d'un tailleur pour dames. Elle a été employée comme nourrice chez des aristocrates. Elle est bien vue par les aristocrates. Elle est connue, c'est une devineresse qui est assez douée. Et justement, les aristocrates qui la trouvent très très bien l'ont souvent invitée à exercer ses talents lors de petites fêtes qu'ils donnaient chez eux. Arrêtée le même jour que Marie Bosse, elle va livrer une liste impressionnante de noms appartenant à l'élite bourgeoise et également au plus haut de la noblesse, tant qu'à faire. Et puis des gens qui sont assez proches du roi, quand même, ça va commencer à tomber. Bon, celle-là, ça ne prend pas de prix, allez hop, brûlée vive. Et avant de subir l'ultime châtiment, elle va avoir une dernière séance de torture, comme c'est l'usage. Parce qu'une fois que vous êtes condamné, comme je vous ai dit la dernière fois, tout à l'heure, bah, vous repassez un coup de torture comme ça. Vous avez été jugé, condamné, mais bon. Et le problème, c'est qu'elle ne va pas résister, si j'ai bonne mémoire, et elle va mourir. Voilà. En tout cas, elle mourra le lendemain de son amie Marie Bosse. Donc ces deux femmes, si j'ose dire, Marie Bosse et la Vigoureux, ont inauguré la sinistre série des condamnés de la chambre ardente dans l'affaire des poisons. Et elles ont lâché un nom très important, celui de Catherine Monvoisin, dite Lavoisin. Et c'est de celle-là dont on se souvient surtout. Donc arrive cette femme au cœur de ce procès, un personnage singulier. Et c'est par elle que le grand scandale va arriver. Donc de son vrai nom, Catherine Déhay, elle va épouser un certain, enfin de son nom de jeune fille, Catherine Déhay, elle va épouser un certain
mon voisin. À l'époque où elle va être inquiétée, elle a la quarantaine d'années. Alors, son bonhomme, c'est un alcoolo, c'est un commerçant, il était paresseux, il buvait. Donc, elle s'est dit, il faut que je prenne les choses en main. Donc, il va vivre à ses crochets et elle a pris les choses en main, effectivement. Et vous allez voir de quelle manière, parce qu'elle fait des affaires. Hein. Donc, elle sera arrêtée en mars 1679 suite aux dénonciations de la Bosse et de la Vigouroux. Et donc, mon voisin, fait commerce de poudre, dite de succession, de filtre d'amour. C'est une spécialiste du filtre d'amour. Et on va découvrir aussi qu'il y a autre chose. Mais ça, on en parlera après. Donc, elle est petite, elle est boulotte, elle est toute rouge, elle est bouffie, enfin, elle n'est pas terrible, hein, et elle fait tourner toutes les têtes. Elle multiplie les aventures, les amants, elle fait des orgies, enfin, elle s'en va en l'air. Et dans sa collection d'amants, quand même, c'est très fort. Elle a quelqu'un. Le bourreau de Paris, André Guillaume, celui-là même qui a tranché la tête de la Brinvilliers et certainement de ses copines. Ça viendra. Peut-être la sienne d'ailleurs, tout tard, mais je ne me souviens plus comment on l'a tué, vous allez voir. Donc la voisine se plaît à fréquenter du beau monde. Et c'est pas n'importe quel monde. Elle a un langage, des manières de poissarde, mais elle plaît parce qu'elle est douée et qu'elle donne ce qu'on lui demande. Et on va découvrir à l'occasion de tout ce long procès des poisons que quasiment toutes ces femmes qui sont des empoisonneuses ont une vie sexuelle complètement perverse et débridée, mais qu'en même temps ce sont des bigotes. Et Marie Bosse est connue pour faire la charité aux pauvres. Alors cela, elle ne les empoisonne pas au petit gâteau, non. Elle prie beaucoup. Elle fait la mendicité. Elle donne aux mendiants de l'argent. Elle a sa petite cour de pauvres. Elle récite trois rosaires par jour. Elle va deux fois à la messe par jour. Ah, c'est pas pour s'y montrer, elle prie vraiment, elle se confesse régulièrement. Ah ouais. La piété serait-elle une sorte de contrepoison? Une manière de s'acheter un paradis pour éviter l'enfer, parce que vous allez voir que elle, c'est pas n'importe quoi. Donc, la voisine, qu'est-ce que j'ai dit Marie Bosse tout à l'heure? C'est pour ça, c'est la voisine dont on parle. La voisine, c'est deux femmes différentes à l'intérieur. La femme pieuse, généreuse, gentille, et puis de l'autre côté, le mal incarné. Cupide, amoral, sans âme, vraiment. C'est les deux faces. Et elle, on peut dire que sa mauvaise face, c'est le mal avec un grand M. Et en plus d'être empoisonneuse et chiromancienne, elle est aussi conseillère conjugale, mais aussi accoucheuse à 16 heures. Et surtout, très avorteuse, une faiseuse d'anges, comme on les appelait autrefois. Et lors de perquisitions qui vont être menées à son domicile, on va découvrir des fœtus conservés dans des ustensiles ou à moitié cramés dans une cheminée. Quelle horreur! On est à peu près certain, et ça, Desgrais et l'araignée ont suivi de près toute la filière, qu'elle faisait enlever des enfants, qu'elle faisait un trafic sordide d'enfants, et vous allez voir pourquoi. Bon, pour ce qui est spécifiquement de son activité d'empoisonneuse, bien avant qu'elle se retrouve entre les mains de la justice, eh bien, on va découvrir qu'elle était probablement la tête pensante d'un réseau absolument organisé. En tout cas, elle est richissime. Elle a même fini par accumuler une fortune absolument considérable. Et sa petite entreprise marche de mieux en mieux. Et pour tous ses bons et loyaux services, on l'adule. Elle est reçue de plus en plus haut dans les milieux aisés de la capitale. Je vous ai dit, c'est une poissarde sans manière, vulgaire, mais alors, au plus puissant, elle est reçue. Et elle sera plus loquace puisqu'elle a aucune morale. Donc elle en dira encore plus que la Bosse et la Vigoureux. Elle lâche, et pas n'importe qui. Elle va larguer le nom de la duchesse de Vivonne. Une femme très en vue à Versailles, réputée pour sa grande intelligence, son esprit, ses connaissances phénoménales. Elle avait l'art de la conversation, la duchesse. On se bousculait pour être invitée à ses dîners. Bon, c'était une capricieuse, d'accord, une séductrice, ok. Mais
c'était la duchesse de Divonne. Et elle avait un problème, la duchesse. Elle avait un mari. Donc, vous connaissez la suite. Elle a vu. Elle l'a vu. Elle l'a rencontré, la femme voisin. La voisin va donner également le nom de Madame de la Motte, qui est une dame de qualité, également très bien en cour. Mais elle fera mieux. Elle donnera le nom d'Olympe Mancini, dont je parlais tout à l'heure, devenue comtesse de Soissons. La voisin va aussi la dénoncer. Alors, c'est cette comtesse Mancini, Olympe Mancini, quand même une nièce du cardinal Mazarin. Jolie femme, très riche, séductrice de haut vol. Le roi Louis XIV, quand il la fréquentait, étant jeune, puis d'ailleurs, il a une histoire avec elle. Il l'appelait la perle des précieuses, et ça lui restera. Donc, il devait avoir 16 ans quand il a flirtouillé avec elle, et même un peu plus. Et cette dame, cette comtesse est devenue une intrigante patentée. Et très intrigante et très manipulatrice, puisqu'on saura qu'elle a intrigué pour tenter d'éloigner du roi Louise de la Vallière. En tout cas, dans le cadre de l'enquête, on va tomber sur une sœur d'Olympe, qui est Marie Mancini. Alors, Marie Mancini, ça a été le grand amour de Louis XIV. Il devait épouser, Marie, pour des raisons politiques, sa cousine Marie-Thérèse d'Autriche, qui était une Espagnole, qui a été épousée à Saint-Jean-de-Luz, d'ailleurs. Et il ne voulait pas. Il était amoureux fou de Marie Mancini. Mais on lui a dit la raison d'État, ça ne marche pas comme ça. Donc, il a épousé Marie-Thérèse. Donc, quand il est parti vers le sud-ouest pour aller convoler là-bas, enfin à Saint-Jean-de-Luz, eh bien, il est passé devant le château, il a fait un détour, il est passé devant le château de sa belle pour une dernière fois lui dire au revoir. Et elle a cru quelque part, elle lui dit « Vous venez me rechercher ». Et lui dit, il avait l'air très gêné, il lui dit « Oh, je suis obligée de me marier, mais vous pourriez peut-être devenir ma maîtresse ». Bon, ça s'est terminé comme ça. En tout cas, voilà que sous la torture du brodequin, la voisin ouvre son bec et accuse Marie Mancini d'avoir vendu des poisons qui lui auraient permis d'oxyre nombre de personnes, notamment des rivales. Elle était jalouse, paraît-il, comme pas d'eux. Bon. En tout cas, voilà. Donc, deuxième sœur Mancini. Alors, il va y avoir un certain Lesage également, qui est l'amant en titre de la voisin, qui sera interrogé. Et lui, il va citer un nom très important et très intéressant, qui est celui de la demoiselle des œillets. C'était l'une des dames de compagnie de Madame de Montespan. Vous allez voir qu'il y a une suite avec tout ça. Et puis ça va continuer. La voisin va dénoncer le maître des petites écoles de la charité. Et puis voilà. Donc on torture et à chaque fois, elle en rajoute. Et elle va être jugée en même temps que d'autres. C'est-à-dire que y a tout un réseau. Donc c'est l'audience de la voisin, c'est l'audience, et puis c'est l'audience de prêtre apostat. Parce qu'il y en a pas mal hein, qui vont passer des prêtres. Je ne vous dis pas que c'est la tripotée, hein, ils sont quand même minoritaires. Mais il y a quand même un certain abbé Davot, qui est un ami de Lesage, dont on sait qu'il est l'amant de la voisin. Et alors celui-là, il est quand même pas piqué des hannetons, vous allez voir. Il est totalement dévoyé. Et lui est le curé de l'église de Bonne Nouvelle. Et lui bénissait à tour de bras ses paroissiens avec des branches de coudrier. Et ensuite, par un rituel, il les transformait, ces branches de coudrier bénies par le ciel, en verges d'aron. Et il vendait ça très cher, ça avait paraît-il une étrange vertu. Il suffisait qu'une femme prenne la branche de coudrier qui était transformée en autre chose, touche le lit de l'homme qu'elle espérait devenir et qui soit son amant, et hop, celui-là tombait, il découvre amoureux. Alors, comme ça ne marchait pas à tous les coups, eh bien, il y avait une autre formule. L'autre remède, c'était une hostie. Une hostie consacrée, tant qu'à faire, c'est mieux. Alors, il gravait dessus le nom de l'amant qu'aurait voulu avoir la dame. Il réduisait tout ça en poudre, et puis on mettait ça dans un verre, et tout ça. Et après, l'homme, l'amant, le futur amant, tombait en poison devant la dame en question. Bon. Bon, celui-là va devenir l'ami de la voisin. Il va se mettre à célébrer des messes noires avec elle. Et c'est comme ça qu'il va se faire arrêter en 1679 et qu'il finira pendu et brûlé en place de Grève. Alors d'autres prêtres, comme je vous l'ai dit, ont été arrêtés
Et on va découvrir que certains invoquaient Satan au cours de la célébration de la messe dans leur église, c'est-à-dire la messe du dimanche. Que tous, sans exception, faisaient commerce d'hosties consacrées, qu'ils profanaient avec des rituels sataniques, qu'ils étaient auteurs de conjurations diaboliques et qu'ils se livraient de curieuses pratiques consistant à faire passer ou, placer, ou pas, mettre les calices de la messe sur les poudres de succession, les poudres empoisonnées. C'est-à-dire que le ciel, comme il dira d'ailleurs quand on va l'interroger, il va dire que ce rituel était censé amplifier les effets des poisons par la bénédiction du ciel. Au secours. En tout cas, tout ce petit monde va fait dans le poison les rituels, et les rituels très sataniques. Et ils vont tous se dénoncer les uns les autres. Il y aura 442 personnes arrêtées quand même hein, par les services de Nicolas de la Reynie. Mais l'enquête ne fait que débuter. Et je peux vous dire que Louis XIV, qui se tient informé au jour le jour de ce qui se passe, il est de plus en plus gris. Il est très inquiet, il se dit, mais jusque où ça va aller? Ça l'inquiète vraiment. Et au fil du temps, on entend effectivement être impliqué de plus en plus de gros poissons, notamment le maréchal de Luxembourg, qui n'est pas n'importe qui. Lui est un héros, il gagne partout les combats. Et d'ailleurs, quand il revient de ses campagnes, on met ses étendards de victoire à Notre-Dame de Paris, on les accroche au mur. Et celui-là, il est très copain avec Louvois. Ministre de la guerre, qui est donc le grand rival de Colbert. Et ah non, c'est le contraire. C'est Louvois qui peut pas le blairer. Excusez-moi. Et donc ce grand rival de Colbert, Louvois ne peut pas blairer le maréchal de Luxembourg. Et donc ça va lui porter préjudice, si je puis dire, et en tout cas ombrage. Et c'est comme ça qu'on va apprendre que le maréchal se livrait aussi à l'alchimie en faisant une enquête. Il avait son laboratoire qu'il avait fait installer dans son bel hôtel particulier. Mais en fait, ce n'était pas les poisons, il cherchait son Graal, c'est-à-dire à fabriquer de l'or. Et il n'était pas le seul à fabriquer tout ça. En fait, Louvois, vous verrez, je vous expliquerai tout à l'heure comment il procédait. Pour trouver des coupables, parce qu'il venait régulièrement aux audiences, comme la Reynie d'ailleurs. Alors, pour ce qui concerne les poisons et la fortune qu'on pouvait en tirer par héritage ou autrement, eh bien, il faut savoir quand même que pourquoi tout le monde agit comme ça. Ils ont qu'à bosser et puis gagneront de l'argent. Mais non. Au XVIIe siècle, ce n'est pas l'usage. On fait rarement fortune par soi-même. Ça n'arrive que par héritage. Donc, l'alchimie, quand cette science est arrivée, eh bien, ça a été un espoir de faire fortune. Et puis d'avoir quelques petits subterfuges empoisonnés pour que ça aille plus vite, quoi. On gagne le jackpot, et puis on n'en parle plus, hein. Et il va se trouver que la science aidant, l'alchimie, bah, tout le monde va s'y mettre. Ça s'y met, et c'est plus riche, parce que le bon peuple, lui, il ne peut pas s'acheter, d'abord, se faire un labo. Et puis il ne peut pas s'acheter les substances, ça coûte très cher. Lui, d'abord, il a vraiment du mal à survivre, il n'a pas de sous. Et puis, il faut dire que sous Louis XIV, les temps étaient durs, hein, fiscalement parlant. Ce n'était pas de la tarte. En plus, les épidémies, les disettes et tout ça, ce n'était pas évident. Donc, le bon peuple, il n'a pas les moyens. Donc, c'est l'élite. La bourgeoisie qui monte de plus en plus, c'est l'aristocratie. Donc, il y a le maréchal de Luxembourg dont je viens de vous parler qui est tombé, mais il y a quelqu'un d'autre aussi qu'on va mettre en cause. L'éminent écrivain Jean Racine. Une rumeur va courir qu'avant de devenir un austère janséniste, eh bien c'était un friand de conquêtes féminines. Et qu'un jour, il a engrossé sa maîtresse, une certaine Duparc, et ça l'a mis dans l'ennui. Et elle est morte. Alors, bon. Elle est morte de quoi? On n'en sait trop rien. Est-ce que, bon, on mourait beaucoup quand des accouchements se passaient mal ou qu'il y avait des difficultés pendant la grossesse. Donc, on a supposé qu'il allait peut-être arranger ça, hein? Puisque du coup, du jour au lendemain, ce brave Racine devient profondément religieux. On ne comprend pas pourquoi. Et puis, il va pas aller n'importe où. Il va donc aller chez les jansénistes. Et c'est très, très austère, le jansénisme. Donc, on se dit, bah, il a peut-être quelque chose à se reprocher. Donc il veut se rattraper avec le ciel, quoi. On voit que ça. Seront dénoncés également la duchesse de Bouillon,
née Marianne Mancini. Et voici la troisième sœur Mancini, encore une nièce de Mazarin. Alors elle, personne ne pourra la voir, parce que c'est une femme extrêmement droite, pieuse, aucun soupçon à son égard. Mais la voisine va également impliquer une certaine de Madame de Poulaillon. Alors elle avait l'habitude de faire laver ses chemises par la bosse. Marie Bosse lui faisait des petits lavages à l'arsenic. Comme ça, quand Marie mettait sa petite chemise, on était sûr. Puis elle lui avait donné un peu de poison aussi pour mettre dans le vin. Donc effectivement, ça a très bien marché. Hein. Enfin voilà. Alors les poisons, pourquoi les poisons? Pourquoi c'est arrivé en France comme ça? Alors, d'abord, il y a une tradition de poison dans l'histoire du monde. Hein. Chez les Romains, on empoisonnait dur. Depuis l'Antiquité, on empoisonnait. Mais en Italie, 15e, 16e siècle, ça va vraiment se développer la chose. Souvenez-vous des Borgia. Pour un oui, pour un non, allez hop, un petit coup de poison et on n'a plus de gêneur. Et Catherine de Médicis, quand elle va devenir reine de France, va ramener avec elle une certaine tradition. Elle va amener ses apothicaires, elle va amener ses astrologues, puis elle va faire venir un certain Renato Bianchi, dit René le Florentin, qui lui tiendra boutique à côté du pont Saint-Michel, et celui-là exerce dans l'art des parfums. Il crée des fragrances absolument extraordinaires, délicates, irrésistibles. Mais également, il vend des poisons à une clientèle huppée. Les plus demandés sont la Cantharella, un mélange d'arsenic, de phosphore et d'acétate de plomb. Il y en a un qui est pas mal non plus, c'est l'aquatofana, ou poison de la manne de Saint-Nicolas. Alors celui-là, c'est de la belladone, de l'arsenic et du plomb. Effet garanti. Hein? Puis ça se vend comme ça, comme une tranche de jambon chez le charcutier. Bon, donc dans la moitié du XVIe siècle, on peut dire que l'usage des poisons en France est bien établi dans un certain milieu. Au XVIIe siècle, on le sait, je suis en train de vous le dire, ça sera l'apothéose. On en usera, on en abusera. Et comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, l'arsenic sera considéré comme le roi des poisons à dose létale. Eh bien, en une seule prise, il peut vous rectifier l'ennemi entre 12 et 36 heures. Et à petite dose, comme on l'a vu avec le marquis de, enfin, monsieur Dreux d'Aubray, le père de la marquise de Brinvilliers, bah, ça marche très bien aussi. Alors d'ailleurs, c'est mieux d'empoisonner dans la longueur que tout de suite, parce que dans la longueur, il n'y a pratiquement aucune trace du produit. On ne peut pas le voir en cas d'autopsie, du tout. Alors que la dose létale, ça peut se voir. Mais, quand l'autopsie va être faite, ça enflamme les organes, bien évidemment. Et souvent, et c'est pour ça que personne ne se fait en général piquer avec un empoisonnement à l'arsenic, eh bien, le poison occasionne certes aux organes et aux viscères des anomalies et oh, je sais pas comment on dit ça, pas bon, des dommages, qui sont assez proches de ce qu'on peut observer en cas de syphilis, de choléra ou quelques autres joyeusetés qu'on trouve dans ce XVIIe siècle. Donc on peut se dire, bah, c'est pas de l'arsenic, c'est bon, bah voilà. Donc il y a un autre avantage aussi avec l'arsenic, il n'a pas de goût. Mélanger ça tranquille, passe comme une lettre à la poste. Pas de repère, on peut empoisonner ce qu'on veut. J'aurais peut-être pas vous raconter tout ça, moi, ce soir, parce qu'il y en a qui vont peut-être avoir des idées. Enfin bon. Et puis alors, il y a le nec le plus ultra qu'adorait un Montespan, selon certains. C'est l'arsenic à la crapaude, si je puis dire. Donc on faisait absorber un crapaud de l'arsenic et une fois qu'il était mort, on le broyait. Et la mixture obtenue était mélangée aux aliments, on sentait rien et c'était encore plus efficace. Puis alors, il y avait aussi la deuxième recette au crapaud. On faisait dessécher un crapaud qui avait mangé de l'arsenic, on le réduisait en poudre et alors ça, on se mettait ça partout aussi, dans le thé, les desserts, le café, enfin bon, ça marchait très bien. Alors, l'arsenic a une autre propriété non des moindres, elle est absorbée par la peau. Alors ça a très bien marché aussi. Alors vous offrez un livre à un copain, vous voyez. Alors vous avez vu dans la Reine Margot le coup de l'arsenic. C'était pas mal ça. Ça a pas fait plaisir à la reine parce que c'était pas du tout ce qu'elle avait visé, mais ça a très bien marché. Alors vous pouvez en mettre sur un oreiller, sur un petit coussin, des gants, des chaussures, un peigne, un vêtement de jour.
Ça marche très bien. Et alors, d'ailleurs, il y avait l'empoisonnement aux vêtements, par des vêtements, était très utilisé sous Louis XIV. On appelait ça la chemise d'arsenic. Et le tour était joué. Mais il y avait des subtilités supplémentaires. On faisait des bougies à l'arsenic. Donc, quand vous mettiez la bougie à cramer, ça se répandait. Voilà. Alors, bon, il fallait peut-être plusieurs doses, mais on finissait bien par en mourir peut-être à un moment donné. Et puis alors, il y avait autre chose. Il y avait la poudre de diamant. Alors celle-là, tout le monde ne pouvait pas se l'offrir. C'est hors de prix, comme vous en doutez. Mais bon, il y avait quand même des clients, parce que plus c'est cher, plus c'est censé marcher. N'oublions pas également la cantharide, la poudre de cantharide. Alors la cantharide, qu'est-ce que c'est? C'est une mouche qui vient d'Espagne. Et alors, quand vous la réduisez en poudre, vous la faites sécher, vous la réduisez en poudre. Si vous n'en mettrez pas trop, vous en donnez à votre amant, par exemple, elle va être très en forme. Mais si vous vous gourez dans les proportions, bah, vous ferez une crise cardiaque. Voyez? Donc ça, c'est la cantharide. Donc, voilà. Après l'affaire des poisons, il va se passer quelque chose. Et d'un seul coup, les empoisonnements deviendront rares. Et vous verrez pourquoi j'en parlerai après. Donc, dans la chambre ardente, on va en apprendre des belles. Accusée par la voisine, Olympe Mancini, comtesse de Soissons, comme je vous l'ai dit, n'a pas failli à sa tradition des racines italiennes. Elle était la nièce de Mazarin, après tout. Hein. Donc, on va l'accuser d'avoir voulu empoisonner celle que Louis XIV commençait à regarder un petit peu trop, Louise de Lavallière. Et d'ailleurs, Mademoiselle de Lavallière va avoir à un moment une attitude bizarre. Après que le roi l'ait délaissée à son tour pour aller voir ailleurs, eh bien, elle va prendre le voile, s'enfermer au Carmel, et on dira que c'était pour empêcher son royal amant de la faire revenir à Versailles. Donc, elle avait certainement peur de quelque chose. Donc, il semblerait que la bonne Olympe ait tenté d'empoisonner son mari, alors que celui-là était très gentil, il était très complaisant, il ne l'ennuyait pas, elle faisait ce qu'elle voulait. Enfin, voilà. Donc, voilà, il y a eu des tas de gens comme ça. Et puis, bah, la voisine a tout largué hein, de ses noms. Donc, c'est le moment venu d'accueillir la sentence. Donc, elle va être condamnée à périr brûlée vive. Et sa sentence sera donnée, enfin, disons, exécutée le 2 février 1680 à 6h du soir, alors que la nuit vient de tomber. Et ça sera en place de grève, bien évidemment. N'étant pas noble, elle n'aura pas le privilège préalable de la décapitation, mais on lui accordera quand même un autre, celle du récantum. Alors, récantum, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que discrètement, on vous étrangle, on vous tue. Quand la fumée devient épaisse, bien épaisse, et que les flammes commencent à monter, pour pas que ce soit trop dur quand même. Donc, il y a de fortes chances que cette faveur lui ait été accordée, probablement d'ailleurs pour qu'elle évite de hurler des noms compromettants supplémentaires et publiquement, puisque comme vous savez, la chambre ardente, c'était huis clos. Et donc, c'est certainement pas de la bonté d'âme de la part des juges que d'avoir prévu le récantum. Et d'ailleurs, ils ont peut-être bien fait, parce que lorsque la charrette qui l'amène à la place de Grève va traverser le pont Saint-Michel, à un moment, il va y avoir la charrette va tourner en venant de Notre-Dame, et le prêtre qui l'accompagnait, comme c'est l'usage, va lui tendre un crucifix pour qu'elle se repente. Et là, elle va se mettre à hurler comme une damnée dépitée, des pires impiétés, ordures, injures, va cracher pratiquement sur le prêtre, en tout cas par terre, et rire après comme une démente, laissant les témoins complètement médusés. Celle-là, ils la traiteront pas de sainte après, ça c'est sûr. En tout cas, il semblerait qu'elle ait quand même eu le temps d'articuler Montespan et que ça a été entendu. Et vous vous dites donc qu'elle ne sera pas sainte. Bah si. Parce qu'il y a des gens, quand ils vont la voir partir dans les flammes, ça va peut-être leur rappeler Jeanne d'Arc. Il y en a quand même qui vont encore dire: Ah, oh, nous avons brûlé une sainte. Enfin bon. Après la mort de la voisine, elle a tellement largué de trucs intéressants que bah, on ne cherchait plus que jamais. Mais dans la famille, demandait la fille. Et peu de temps après, le grand raout sur tout ce qu'il y a de plus affreux, bah, ça va être avec la fille, mon voisin.
Elle a une fille, cette mon voisin qui vient de Péray, qui s'appelle Marie-Marguerite. Et en juillet 1680, elle aussi a été arrêtée avec sa mère. Eh bien, elle dit qu'elle a des révélations à faire. Très bien, mademoiselle, on vous écoute. Eh bien, elle va mettre le paquet. Elle va carrément dire, Madame de Montespan, voilà, je voulais vous dire, eh bien, on lui vend des poisons. C'est une autre cliente, hein, ma mère. Alors, la Montespan, c'est grave. C'est encore la favorite du roi, la grande favorite. Elle a fait 7 enfants au roi, tous légitimés. Bon, alors, elle explique. Bah oui, mon voisin, d'abord tout le monde le sait, elle a pris un peu de poids. Quand même le dire, bah, elle a fait 7 enfants plus 2 à son mari, hein, le Montespan, elle avait fait 2 mômes, donc ça fait 9. Et donc elle est plus aussi bien fichue qu'au départ, quoi. Et le roi, vous savez, il a que l'embarras du choix, donc il a été voir ailleurs. Hein. Et le problème, surtout avec Madame de Montespan, c'est qu'elle avait pris ses aises en 9 ans. Et puis elle avait une certaine ascendance sur le roi, qui l'écoutait beaucoup, parce qu'elle était intéressante, intelligente, et prenait souvent, enfin, était de bons conseils. Donc là, elle avait les sautes d'humeur. Et les sautes d'humeur, Louis XIV, il a commencé à en avoir ras-le-bol, donc il lui a dit, bon, écoutez, très cher, peut-être prendre un peu de distance, vous allez déménager un peu plus loin que, hein, un peu de distance entre nos appartements, ce qui va lui permettre de folâtrer avec quelqu'un d'autre, bien évidemment. Donc, elle a subi un revers, cette Montespan, mais elle est toujours officiellement la maîtresse en titre. Et elle a, voilà, tout le monde la salue. C'est la maîtresse de Louis XIV. Mais ça ne la console pas, tout ça. Elle sent que ça sent la disgrâce. C'est que tôt ou tard, bah, ça va mal se terminer. Donc elle est très angoissée. Et d'après la fille, la voisine, la Montespan se trouvant dans une situation délicate, celle que je viens de vous expliquer, elle n'aurait plus qu'une idée en tête, c'est de reconquérir pleinement les faveurs de Louis XIV. Et voilà, donc il y a quelques artifices pour ça, les aphrodisiaques, et sa mère était une spécialiste. Donc, on va y aller sur le filtre d'amour et l'aphrodisiaque. Dixit, la fille de la voisine. Donc certes, ces élixirs ne sont pas des poisons, ils sont inoffensifs et souvent sans grand effet, il faut quand même l'avouer. Mais la marquise y croit. Elle y croit, dur comme fer. Et la fin, justifiant les moyens, elle va demander à Madame la voisine, moyennant une très coquette somme, quoi, vous en doutez, de faire ce qu'il faut, de lui préparer ce qu'il faut. Donc, Marie-Marguerite, mon voisin, vient de lâcher sa bombe en citant le nom de Montespan. Et comme elle veut convaincre, elle va partir dans le détail tant qu'à faire. Bah oui, il faut justifier. Hein? Elle va dire, oh, bah, j'ai souvent vu ma mère aller cours pour lui remettre en main propre ses petites commandes. Hein. Ou alors, quand elle se déplace à Paris, elle venait chez nous. Hein. Donc ma mère lui donnait, même moi, hein, je lui donnais des produits. Hein. Et puis il y avait Madame Desœillets aussi, vous savez, la dame de compagnie. Elle venait aussi, elle venait chercher ses petites livraisons pour Madame de Montespan. Voilà. Et puis elle dit, mais non, hein, surtout pas de poison, que des élixirs d'amour. Hein. Le hic, c'est quand le roi il va apprendre ça, il va être un peu surpris, quand même. Ça lui plaît pas d'entendre Montespan, mais il va être surpris parce que Montespan, elle couche plus avec lui depuis longtemps. Donc les carottes sont cuites. Bon. Puis bon, si on y réfléchit bien, la Montespan n'était pas une idiote. C'est une femme d'esprit, elle est intelligente. Supprimer le roi, c'est se tirer une balle dans le pied, quand même. Donc ça ne tient pas debout, cette histoire. Donc les juges se regardent, ils disent, bon, d'accord. Et la jeune Marie-Marguerite va continuer sur sa lancée. Alors elle va dire un jour que sa mère était très contrariée parce que la Montespan lui aurait fait des reproches, votre truc, ça marche pas, enfin bon, bref. Et un jour, elle va lui dire, et ça va être entendu par les juges, que puisque ça ne fonctionnait pas, elle était décidée à tout porter à l'extrémité. En ajoutant que, à l'adresse de la voisine, qu'elle allait, elle, l'engager à des choses où elle avait beaucoup de répugnance. Tiens donc. Donc, les juges se disent, oh là là, elle est en train de nous dire qu'elle a demandé, Madame de Montespan, à Madame voisin, Madame la voisin, de lui vendre n'importe quoi, empoisonner le roi. Là, ça devient grave.
Et la demoiselle, mon voisin, continue sa litanie d'aveux, de plus en plus délirant et souvent incohérent. Donc, ils savent plus si c'est nulard ou des cochons, les juges. Ils écoutent. Ils écoutent. Mais alors là, ça va être un peu gros. Parce que ce qu'ils vont entendre, c'est que quelques jours avant qu'elle ne soit arrêtée, selon sa fille, la voisin aurait été jusqu'à la cour portée une supplique dont le papier aurait été enduit de poison. Et que pour ça, elle aurait reçu la somme colossale de 100 000 écus. Alors là, ça ne tient pas debout. Parce qu'il y aurait eu des conséquences. Si le truc était, il y a bien quelqu'un qui l'aurait pris. C'est pour le roi, c'est un valet, il serait tombé raide. Donc ça, c'est complètement délirant. Et puis, dans le plan sordide qu'il y avait avec la supplique, il y avait deux complices de la Lavoisin qui devaient également se mettre en relation avec mademoiselle de Fontanges, qui était donc la maîtresse à ce moment-là de Louis XIV, pour lui offrir des grandes peaux. Eux aussi en dit poison. Enfin, c'est n'importe quoi. Et les juges se disent, mais c'est pas possible, un truc pareil. Ils sont silencieux, ils sont médusés, et elle n'a pas fini. Elle n'a pas fini. Voilà qu'elle aborde le cas des messes de l'abbé Guibourg. Alors l'abbé Guibourg, lui, il est à Vincennes, il est dans le donjon parce qu'il était arrêté. Et ce prêtre défroqué, père d'une poignée d'enfants qu'il a fait pour la plupart alors qu'il était encore prêtre, il est plutôt jeune, il a une soixantaine d'années, il est absolument affreux, aussi bien de traits, il est borgne et il louche, et il n'a vraiment rien pour lui, pauvre. Et celui-là était un alchimiste qui fabriquait un poison extrêmement particulier qui s'arrachait. Vous allez voir, c'est très amusant. Ce poison, si je puis dire, il s'appelait l'avium rifus. Et là, consommé haute dose, j'en mourrais de rire. Elle est bien bonne, celle-là. Mais bon, ça, on ne se marrait pas tout le temps, puisque son autre spécialité, autant dire, c'était les messes noires. Et celui-là, ça a très fortement soupçonné d'avoir participé à un complot d'empoisonnement à l'égard de Colbert, puisque lui aurait fourni le poison à Colbert. Donc, immédiatement, là, cling, cling, avec l'abbé Guibourg, l'oreille est dressée. Quand on va lui répercuter ce qu'a dit la fille de la voisin concernant les messes noires et la marquise, il va dire qu'en fait, son rôle s'était limité à célébrer des messes sur le corps d'une femme dénudée dont le visage était dissimulé sous un voile, qu'on lui avait toujours dit que cette femme ne souhaitait pas être connu, mais que c'était la marquise de Montespan, que lui n'a jamais pu le vérifier parce qu'il l'a toujours vu avec un grand voile et donc on ne voyait pas, que quand elle venait, il y a eu trois messes, elle s'allongeait nue sur le sol, les bras disposés en croix avec un cierge dans chaque main, lui posait le calice sur son ventre et il célébrait sa messe sacrilège. Et quand arrivait le moment fatal, eh bien, il prenait un nourrisson né de quelques jours, il l'égorgeait et mettait le sang dans le calice. Et il dira ça sans une trace d'émotion, la routine, enfin, c'est un truc affreux. Donc, il a prononcé, pour faire son rituel, des invocations aux démons, à deux démons qu'il convoquait. La formule, je la connais, mais je n'irai pas la répéter, bien évidemment. Et il faisait son incantation, sa petite messe devant cette femme étendue. Et il y aura trois messes dans des endroits différents avec un sacrifice d'enfant à tous les coups. Et on lui a dit que c'était la Montespan. Donc d'où venaient ces pauvres enfants? La plupart, c'était les trafics volés. Donc on sait qu'il y avait des réseaux et que la voisin probablement était complice avec Guibourg et même associée sur ces trafics d'enfants destinés au sacrifice rituel. Et puis, il y avait des pauvres parents qui n'avaient pas de quoi bouffer, qui avaient trop de monde, bah, ils vendaient leur nourrisson. Donc ça, c'est affreux. Ces messes noires, ça a été une plaie. Là, on n'est plus dans la sorcellerie, mesdames et messieurs. On est dans le satanisme. C'est là que le satanisme arrive dans une certaine élite, à l'époque de Louis XIV. Mais ça a précédé, ça vient d'Italie, tout ça. Donc, qu'est-ce qui se passait? Alors, au XVIIe siècle, ça avait explosé. Hein. Donc, on invoquait Satan et ses démons. C'était en général des prêtres déviants ou défroqués qui faisaient ça. Donc l'autel, vous l'avez vu, c'était le corps de la femme nue.
On faisait à côté de tout ça des profanations épouvantables, d'hostie. Lorsqu'on voulait obtenir un maximum d'efficacité, bah, on tuait les enfants. On saura de manière avérée que la voisine était l'assistante, si je puis dire, dans ces vestes noires de l'abbé Guibourg. Et puis tout ça va être confirmé par Françoise Philastre, dite la Philâtre, qui était devineresse, avorteuse, empoisonneuse. Elle dira avoir participé à des messes noires, incluant des sacrifices d'enfants, pratiqué des rituels sataniques, et elle confirmera les dires de la fille au bon voisin au sujet de Madame de Montespan. Dans un premier temps, elle avouera que celle-ci lui avait demandé de lui procurer des poudres afin d'oxyre Mademoiselle de Fontange, sans qu'il l'y parût. Elle avait bien précisé que ça ne doit pas laisser de traces. Bon, alors évidemment, là, ça devient grave, les juges se regardent. Cependant, cette filâtre se rétractera parce qu'elle n'en peut plus de subir le supplice de la question. Et elle va dire, je vous dis tout, je vous ai dit des âneries. J'ai compris que j'allais mourir. Tout ce que je vous ai dit est faux. J'ai été torturée. J'allais y repasser. Voilà, je vais mourir, vous me l'avez dit. C'est faux. C'est faux. Maintenant que je vais partir, je veux partir avec la conscience tranquille. Je ne veux pas que ma conscience soit chargée d'un mensonge. Donc, je reviens sur mes déclarations. C'est totalement faux. Résultat des courses, elle sera brûlée aussi sec sur le bûcher de la place de Grève. Donc, on a évoqué Madame de Montespan à toutes les sauces. Nicolas de la Reynie est inquiet, trouve que ça a dépassé les bornes. Il est décidé à vérifier s'il y a vraiment quelque chose sur la mère de Montespan. Il y a un truc qui ne va pas, la marquise. Qu'est-ce que... Tout le monde en parle beaucoup quand même. Il n'y a pas de fumée sans feu, dit-il. Il va les fouiner. Il va les fouiner, il va regarder un petit peu partout s'il y a des jugements sur Paris qui pourraient la concerner. Et il va trouver. Il va trouver dans les archives du Châtelet un jugement qui est la preuve qu'elle aurait déjà été impliquée en 1668, soit tout au début de sa liaison avec le roi, sur une sombre histoire de sorcellerie et d'impiété. Et là, on est sur les limites d'un procès, donc un document inattaquable. Et qu'est-ce qu'on retrouve mentionné dans ce jugement comme comparse? L'amant de la voisine, le fameux Le Sage. Et qu'est-ce qu'on dit dans ce jugement? Qu'est-ce qu'on reproche à tous ces gens, y compris à Montespan, d'avoir fait des incantations au diable avec un bon abbé qui s'appelait l'abbé Mariette, qui avait, lui, on le sait, l'habitude de faire passer sous ses calices pendant la messe dominicale ou quotidienne, ben, des poudres de succession et autres poisons. Et puis, on dit qu'il semblerait avéré que Madame de Montespan utilisait les poupées de cire dans lesquelles on plante des aiguilles, qu'on trifouille, là, pour que ça fasse bien mal, en vrai, à celui qu'on a dans le nez. Donc, il est patent, de par une décision de justice, que la Montespan se livrait à divers rituels, et qu'elle prenait ces rituels très au sérieux, auxquels elle croyait dur comme fer. Et là, c'est grave. Donc, la Reynie, sur la demande du roi, va établir des rapports extrêmement précis qu'il va les présenter au roi à reculons, parce que le roi est horrifié à tous les coups et il y a de quoi. Parce qu'après, c'est les sœurs Mancini, Olympe et Marie, qui étaient quand même des béguins qu'il a eus dans le passé, et notamment Marie qu'il adorait, qu'il voulait épouser. Voir qu'arrive maintenant sa favorite, mère de sept de ses enfants, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup et il est en train de se rendre compte également parce qu'il sait que Louvois met le paquet pour embêter Colbert et que l'état tombe un peu à cause de Louvois. Eh bien, vous verrez comment d'ailleurs. Eh bien, ça fait beaucoup. Et là, il se dit, on arrête tout, quoi. Et lui seul a le pouvoir d'arrêter puisque c'est lui qui a créé la chambre ardente. Qui dit suspension. Suspension des procès jusqu'au 30, ça c'est le 30 septembre 1680 qui va décider ça, suspension des procès jusqu'à nouvel ordre. Donc ça va être suspendu pendant un peu plus de 7 mois et tout ce qu'il y a dans ces 7 mois, on va faire le ménage, tout ce qu'il y a de compromettant
et ne serait-ce que le nom de Madame de Montespan, dans toutes les minutes de greffe qui ont été prises, parce qu'on prend des notes d'audience, des machins, tout ça doit être supprimé, y compris certains grands noms. Aucun élément ne doit continuer à traîner dans cette procédure dans la chambre ardente. Il va demander également que soit noté sur un registre spécial tout ce qui est à l'audience, tout ce qui a trait à Madame de Montespan. Ça ne doit pas être mélangé avec le registre classique, qui est le registre d'audience où sont prises toutes les affaires. Rien de ce qui la concerne ne doit jamais plus apparaître dans des actes réguliers de la procédure. Et dans la foulée, il va signifier à Mademoiselle Desœillets, qui était donc la suivante, comme je vous l'ai dit, de Madame de Montespan, qu'elle est écartée de la cour et qu'elle s'en va, et qu'elle doit s'en aller tout de suite. Et avant qu'elle ne parte, on fera en sorte de s'assurer de sa discrétion. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on l'a menacée? On lui a dit attention? On n'en saura jamais rien. Enfin, on sait qu'elle a acquis des effets aphrodisiaques auprès de la voisine et qu'elle a participé à des messes noires, hein, celle-là. Et puis, on pense qu'elle a remplacé, en fait, Madame de Montespan. C'était effectivement pas Madame de Montespan qui était sous le voile avec les messes de l'Aiguillon, mais que ça pourrait bien être elle. Donc, est-ce que Madame de Montespan l'aurait envoyée en sous-marin par procuration, si je puis dire? Ou est-ce que, et ça j'y ai pensé, est-ce que la Desœillets, qui voulait... elle était enfant, elle avait un enfant du roi qui n'a pas été reconnu, elle est une petite fille. Donc est-ce qu'elle avait profité en faisant dire que c'était la Montespan qui était sous le voile pour elle-même faire les choses? Parce que quand on va reprendre connaissance de ce qu'elle demandait, eh bien ce qu'elle demandait, c'était que le diable lui accorde d'évacuer à la fois et la Montespan et la Fontange, et que tout qu'elle soit bien en cours avec les princes ça ne tient pas debout, c'est pas la Montespan qui aurait fait ça. Peut-être pour ça que le roi, il a bien compris, enfin, il y a un truc. Et donc, pute Desœillets, terminé. Mais finalement, pour ce qui concerne Madame de Montespan, tout restera dans le flou. Parce qu'il y a des choses qu'on va savoir et vous savez comment, vous saurez comment parce que je vais vous l'expliquer, il y a des choses qu'on ne saura jamais qui disparaîtront dans les oubliettes de l'histoire parce que ça aurait été détruit. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Madame de Montespan n'aura pas à s'expliquer devant la chambre ardente comme aucun des commanditaires de poison, c'est-à-dire les clients des différents empoisonneurs. Aucun. Tous sont aristocrates ou bourgeois de toute façon, donc ils sont dispensés. C'est un procès mémorable. Il y a eu deux sessions, donc comme je vous l'ai dit, l'une qui s'est déroulée du 7 avril 1979 au 30 septembre 1680, plus d'un an et demi, puis la deuxième, après une pause de près de 8 mois, 7 mois, un peu plus de 7 mois, du 16 mai 81 jusqu'au en juillet 1682. Parce qu'en 1682, le roi, c'est fini, on a fini, il dissout. Et on saura que Louvois se pointait régulièrement aux audiences, où Larénie, d'ailleurs, était rapporteur. Hein, c'est pour ça qu'il pouvait, c'est sur ordre du roi, d'ailleurs. Donc, il se pointait. Donc, ce ministre de la guerre qui détestait Colbert. Et qu'est-ce qu'il faisait? Quand il y avait quelqu'un qui était interrogé, et qui sortait de la question, en général, d'ailleurs, il disait, mais au fait... vous connaissez monsieur et madame machin? Il vous aurait pas acheté quelque chose? Alors les gens, bah, des fois oui, des fois non, et quand c'était oui, c'était ennuyeux, parce que tous, comme par hasard, Louvois les sélectionnait, c'était des proches de Colbert, vous voyez? Donc c'était vraiment très particulier. Donc Louvois aurait fait tout ce qu'il pouvait pour essayer de nuire à Colbert. Durant ce long procès, qui s'est duré sur plusieurs années. Seuls les accusés des classes inférieures ont été soumis à la question. Jamais les rares aristocrates qui ont été arrêtés, et encore moins ceux de la haute bourgeoisie. Privilège de caste. Quant aux commanditaires, donc les clients des empoisonneurs, qui n'ont rien fait parfois, à part acheter des aphrodisiaques et autre chose, jamais ils auront de problème.
Donc, au total, 442 personnes, comme je vous l'ai dit, auront été arrêtées. 210 audiences auront eu lieu devant la chambre ardente. Cette chambre rendra 319 décrets de prise de corps, ça veut dire des ordres d'arrestation. En fait, en arrestation effective, il y en aura moins puisqu'il y en aura que 194. 104 jugements seront prononcés, dont 36 ordonneront la peine de mort. 5 pour les galères perpétuelles, ce qui n'est pas de la tarte non plus. 106 inculpés seront condamnés à la prison à vie. Alors, je ne vous dis pas les cachots, parce qu'ils seront dans des forteresses à droite et à gauche en province. Insalubres, sombres, glaciales. Les fers aux pieds, bien évidemment. Donc, diverses forteresses. Bon. Je vais vous dire, mieux vaudrait qu'on meure dans ces cas-là. Et il y en a un au moins qui sont à 40 ans, ces conditions-là, vous imaginez. Il y aura eu 34 peines de bannissement, de condamnation à des amendes. Il y aura aussi des gens qui finiront leur vie dans des monastères ou des hôpitaux, probablement chez les fous. Et seules 30 personnes sur les 442 arrestations auront bénéficié d'un acquittement. Ce sont finalement des accusés qui en savaient trop au sujet de Madame de Montespan et de certains trop proches du roi, qui ne seront pas condamnés à mort. Tout cela échapperont à la peine de mort. Tous ceux-là partiront en forteresse. Ça sera notamment le cas de la fille, mon voisin, là, qui est partie en live, racontant les histoires de sa mère, de l'amant de la voisine qui était le sage, de l'abbé Guibourg, etc., etc. Louvois, qui est donc le ministre de la guerre et qui s'occupe également des prisons, va donner pour instruction au gouverneur de cette forteresse de traiter ses prisonniers d'une façon très spéciale. Donc, les faire en permanence et attacher au mur, comme un chien. Défense, enfin, faire en sorte qu'ils ne puissent pas parler avec l'extérieur, ni qu'ils ne soient pas entendus de l'extérieur, pour le cas où ils crieraient des noms. Donc, à mon avis, ils sont tout en bas de la forteresse, même en dessous. Hein. C'est affreux. Quand on y repense, c'est affreux. Et après ça, le roi dit, on ferme. 21 juillet 1682, chambre dissoute. Mais il avait donné l'ordre à la reine de détruire toutes les pièces du procès, toutes sans exception. Et les documents relatifs, tout, 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 tout. Il faudra lui remettre à lui ce qu'il a déjà eu, mais le reste, effacé, on n'en parle plus. Il y en a effectivement qui sont sacrément compromettants. Sacrément. Donc, ce pour la Montespan, mais pas que. Et l'araignée nourrit un cas de conscience. C'est un ancien magistrat qui sait qu'il y a des assassins là-dedans. Il dit, doit-on épargner les assassins du fait de leur rang? Il se pose un problème, parce que lui-même, les nobles, hein, il n'arrivera pas à s'y résoudre. Il va détruire énormément de choses, mais il en conservera bien d'autres, qui feront plus tard le bonheur des historiens. C'est pour ça qu'on sait deux, trois trucs. Et puis il va y avoir cet édit royal du 31 août 1682 qui va changer la face des choses. Après la dissolution de la Chambre ardente, Louis XVI va proclamer un édit qui va être applicable à compter du 31 août 1682. Et cet édit édicte de nouveaux principes, vous l'allez voir. Je vous conseille, moi je suis allée le voir cet édit dans le texte et avec, en vieux français, mais c'est lisible. C'est mieux que le français du Moyen-Âge. Et le préambule est très intéressant. Parce que le roi s'épanche. Il commence par dire qu'il y a eu des mesures inefficaces prises à l'encontre des devins, des magiciens et des enchanteurs jusqu'ici, et qu'il est obligé, pour cette raison, de légiférer à nouveau. Mais il fait un exposé très long. On sent que le roi a été profondément indigné. Effrayé, pour ne pas dire même traumatisé, osons le dire, hein, par cette histoire-là. Et ça vaut le coup de lire ce préambule avant les quelques articles de loi qu'il a pendus. Enfin, ça a été vraiment bien fait. Et d'ailleurs, en médecine, il y a certaines bases de cet édit qui ont été conservées par la suite. Alors, qu'est-ce qu'il dit, cet édit? Il précise clairement que toutes les personnes se mêlant de deviner le futur, ainsi que les devins, les devineresses devront immédiatement quitter le royaume sous peine de punition corporelle. Donc, vous dégagez déjà. Il va faire défendre également les pratiques superstitieuses orales ou écrites
faites en abusant de l'écriture sainte ou des paroles de l'Église, soit en disant ou en faisant des choses qui sont sans rapport avec cela. Ça, c'est directement une allusion au sacrilège pendant les masses, des hosties profanées et tout le reste, et des messes noires. Il va dire, quant à ceux qui ajouteront à cela la superstition et l'impiété et du sacrilège à l'occasion de pratiques magiques ou du même autre genre, ceux-là seront punis de mort. On est encore sur la magie noire et les messes noires. Seront punis de mort les empoisonneurs qui auront fabriqué, préparé, procuré ou vendu du poison. La mort sera aussi la sanction de ceux qui auront usé du poison, que leur victime ait succombé ou non. Le poison est défini comme étant toute substance capable non seulement de causer la mort, mais encore peu à peu d'altérer la santé. Et l'édit précise aussi que les marchands qui délivreront de l'arsenic, du réalgar, de l'orpiment et du sublimé. Ça, c'est trois dérivés de l'arsenic qui sont encore plus violents que l'arsenic lui-même. Hein. Aux médecins, apothicaires, chirurgiens, orfèvres, etc., devront inscrire sur un registre spécial le nom et la demeure de l'acheteur et la quantité vendue de ces substances. Donc, il y a un contrôle, il y a une traçabilité maintenant. L'édit énonce encore que tous les corps de métier qui feront usage légalement dans le cadre de leur fonction de poison, devront désormais les conserver dans une armoire fermée à clé, consigner sur un registre spécial la composition de remèdes qu'ils ont fabriqués contenant un poison et mentionner aussi le nom de la personne qui en usera. Les corps de métier qui usent de poison légalement ont interdiction de donner à autrui des produits bruts servant à la conception d'un remède ou d'une mixture. Tous ces métiers devront fabriquer eux-mêmes ou les faire fabriquer par un employé, mais en sa présence, c'est-à-dire ils doivent regarder ce que fait l'employé. Il est indiqué aussi qu'aucune personne, à l'exception des médecins, n'aura le droit d'employer des serpents, des crapauds et des vipères. Et enfin, seuls les médecins, les chimistes et les apothicaires auront le droit à un laboratoire. L'alchimie, on n'en parle plus. Les laboratoires des empoisonneuses, c'est fini. L'édit est clair. Il est net, il est précis, c'est un édit majeur. Après cela, terminé. Hein. C'est rarissime qu'on se retrouvera avec une histoire d'empoisonnement. C'est fini. Mais alors, vous remarquerez une chose. C'est que pour une fois, le pouvoir royal a empiété directement sur le territoire réservé à l'Église. Parce que sur toutes les histoires de messes noires et de prêtres défroqués et autre chose, de sorcellerie, c'était l'Inquisition. On ne se mêle plus de ce type d'affaires. Souvenez-vous de cette émission que j'avais faite sur Nuria sur les possédés de Loudun. Là, ce n'était pas l'Église, c'était pas le pouvoir royal. Donc, voilà. Le roi s'arroge, le pouvoir royal, l'État s'arroge de se mêler désormais des affaires de divination, de sorcellerie, de magie ou de pratiques sacrilèges. Avant cette affaire qui a failli ébranler la royauté, excusez-moi, puisqu'elle a mis le roi sur la sellette, quelque part indirectement, en danger. Le roi dit maintenant, l'Église ne s'en mêlera pas, parce qu'il aura peut-être été ennuyé, on n'en sait rien. Hein ? Donc maintenant, c'est l'État qui décide. Le roi Louis XIV, contrairement à ce qu'on dit, n'a jamais dit l'État c'est moi, ça c'est inventé après, mais là c'est l'État qui décide. Et le sens de cet édit le dit clairement. Alors, quel sera le sort de Madame de Montespan? Pour ce qui a été du sort de la Montespan, après ce mémorable procès, ça aurait été délicat à prendre pour le roi. On ne peut pas la chasser de la cour. C'est la mère des sept enfants légitimes du roi. Louis XIV va lui faire savoir, on ne va pas lui dire directement, il va lui faire savoir qu'elle n'est plus en grâce et qu'elle doit sur le champ quitter le bel appartement qu'elle occupe. Maintenant, c'est rez-de-chaussée, hein, et plus petit et pas terrible. Sa disgrâce ne viendra effective que 9 ans plus tard, en 1691. Là, on lui dit que c'est fini, il faut qu'elle s'en aille, et qu'elle s'en aille loin et dans un certain endroit. Donc, elle va se retrouver dans un couvent. Celui de la communauté Saint-Joseph. Lorsque ses enfants, donc royaux, se marieront, elle ne sera pas conviée aux noces. Elle mourra en 1707. 2 ans après son procès, en 1709, Louis XIV va faire demander
à ce qu'on lui ramène un coffret de cuir noir. À l'intérieur se trouvent des documents relatifs au procès de la chambre ardente. C'est ce que lui a remis l'araignée. Hein. Ainsi que d'autres qui concernent d'autres personnes. Et cela, évidemment, ça ne doit jamais, dans l'esprit du roi, être porté à la connaissance du public, que ce soit maintenant ou dans le futur. Il est plus très jeune. Hein. Et puis, il y a Madame de Maintenon. Madame de Maintenon, qui, comme on le sait, est l'ancienne gouvernante des enfants de Madame de Montespan. Il l'a épousée en secret après le décès de la reine Marie-Thérèse. Et avec elle et cette histoire de poison, la vie a changé pour Louis XIV. Donc Louis XIV, en présence de Madame de Maintenon, avec laquelle il est très uni, ne regardera même pas les papiers qui sortent du coffre, c'est directement dans les flammes. Alors, c'est un vieux monsieur maintenant, il a des soucis parce qu'il n'est plus le soleil. Et les coalisés sont sur le point d'envahir Paris. Donc, il ne veut pas que des documents qui compromettent le pouvoir royal puissent tomber entre les mains de tout ça. Et puis, moi, ce que je pense, c'est que quand on est sur la fin de sa vie, puis qu'on a refait sa vie aussi bien qu'il l'a faite avec Madame de Maintenon, eh bien, on passe à autre chose et on tourne la page. Donc Louis XIV, en brûlant tous ses documents, tout en ignorant évidemment que l'araignée en a mis d'autres à l'abri bien cachés, hein, eh bien, tourne la page. Voilà. Alors comment tout cela a-t-il pu se produire? Comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Parce que tout part de la cour de Louis XIV. Ben, c'est sa personnalité. Comme je vous l'ai dit, il a souffert dans son enfance de la fronde. Les aristocrates, il s'en est méfié. Il a pris le principe du diviser pour mieux régner. Il a parfaitement réussi. Donc il va s'appliquer à ce que cette cour soit toujours en bisbise entre ses différents membres. Et ça ne lui déplaît pas de voir les courtisans se faire bouffer le nez. Du temps de sa grande splendeur de roi soleil, après ça sera différent. Mais du temps de sa grande splendeur, ça le fait rigoler. Ils sont tous à quatre pattes pour avoir ses préférences, quelques avantages. Ah, il adore les voir s'humilier. Puis quand il sait très bien au courant de tout, hein, bien évidemment. Donc les couvents, il écoute. Puis c'était un roi narcissique quand il était plus jeune. Son Versailles, c'est vraiment un péché d'orgueil épouvantable qui a coûté une fortune à l'État, qui a fait souffrir le peuple, on ne peut mieux, d'abord pour le fabriquer, il y a eu je ne sais pas combien de morts, notamment sur le Grand Canal, et surtout l'impôt était d'une grande lourdeur. Colbert lui n'osait pas trop lui dire, parce qu'il ne fallait pas le contrarier, en plus, comme tous les narcisses, mais il lui disait de temps en temps, sire, doucement. Hein? Il était avide d'attention aussi, ce roi de déférence. Souvenez-vous des rituels qu'il a instaurés à la cour, où seuls quelques élus pouvaient participer. Ceux-là qui pouvaient enfin regarder de près l'intimité du souverain, se faire remarquer de sa personne dans l'espoir de se voir octroyer quelques privilèges. Ah oui, c'était le royaume des privilèges. Et puis, alors donc, vous avez le lever du roi, le coucher du roi, le grand couvert du roi, la prière à la chapelle, enfin bon, c'est tout un truc. Si l'on est du premier cercle et qu'on participe à cela, c'est un honneur. On est en cours. Et si le roi vous adresse la parole en plus? Enfin bref, on se damnerait pour être à ce poste-là et tous les moyens sont permis. Les moyens les plus vils, les plus bas, y compris le poison. Donc, quelque part, en créant une cour de cette nature, eh bien, le roi a contribué, probablement. Tiens, je vous cite ce que disait Jean de la Bruyère, qui était un moraliste que tout le monde connaît. « Un noble, s'il vit chez lui dans sa province, il vit libre mais sans appui. S'il vit à la cour, il est protégé mais il est esclave. » En instaurant donc ce système de privilèges, Louis XIV a engendré un système de concurrence absolument terrifiant. Pour atteindre le Saint Graal, c'est-à-dire lui-même, cette caste aristocratique, et même de haute bourgeoisie va jouer des coudes. Pour garder sa position, on va se battre. Tous les coups sont permis. Ça sera féroce pour conserver les faveurs royales. Donc la cour de Louis XIV, à cette époque-là, même si elle brille de tous ses éclats à travers le monde, n'est en fait qu'un marigot de prédateurs et de requins, dénués de toute morale, qui sont froids à tout. Voilà, ils sont complètement débauchés aussi. Les pratiques occultes, ça y va. Donc, cette affaire de poison,
a mis tout à jour. On est sorti aussi à ce moment-là de la sorcellerie classique pour tomber dans le satanisme. C'est la première fois. Et le roi l'a découvert avec effroi. Il l'a pas accepté. Il a été bouleversé, d'où c'était dit. Et après, je crois qu'il était à peu près dans les eaux, ou même de maintenant qu'il regardait déjà, va entrer dans sa vie. Il va l'épouser après la mort de la reine. Et elle est très pieuse. Et il va devenir très pieux. Il va devenir très pieux. Il l'a toujours été. Il allait à l'église. Après, il allait à la chapelle, à sa messe. Hein. Et là, ça sera autre chose. Et elle va lui changer la vie. Et je ne sais plus qui disait que le roi et Madame de Maintenon, c'était un amour extrêmement discret, sobre, c'est plus les folies de gens en l'air, mais c'est un amour pur et vachement puissant. Et il va être converti. Converti après l'horreur de l'affaire des poisons. Il a vu ce que c'était le diable. Et il a peut-être réfléchi, car il était d'une grande intelligence, Louis XIV, qu'il avait généré cela, que c'était quelque part de sa faute. Voilà. Donc après cette histoire, il va y avoir un radical changement dans l'ambiance de la cour, radical, je peux vous l'assurer. Et elle deviendra austère et d'une tristesse à périr sous la fin de son règne. Voilà ce que j'avais à vous dire. L'affaire des poisons, c'était quand même pas rien. Ça a duré d'ailleurs 3 heures, là, pratiquement. Et moi qui tenais pas en l'air ce soir. C'est ça. Voilà. En tous les cas, un grand merci pour toutes ces précisions, effectivement, Elisabeth, sur l'affaire des poisons, qui, d'ailleurs, comme à chaque fois, vos conférences sont extrêmement intéressantes parce qu'elles sont précises et remplies de détails. Et pour les personnes qui sont fascinées d'histoire, comme moi ou comme d'autres, c'est toujours un immense plaisir de vous écouter. Donc, un grand merci d'être venu ce soir. Merci à vous de m'avoir reçu pour mon émission annuelle, parce que j'en fais une par an, C'est on est ça, comme ça. c'est ça. Voilà. Ouais, bah Donc, merci. l'année prochaine. C'est ça, l'année prochaine pour des nouvelles aventures et un grand, grand Voilà. merci. Voilà, je vous invite pour les passionnés, pour les personnes qui ont pris cette conférence en cours à réécouter le replay, où je sais que vous serez fort nombreux. En tous les cas, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci beaucoup d'avoir écouté Elisabeth. Merci à vous, Elisabeth. Vous pourrez Merci à retrouver vous. demain soir Anne en compagnie de Sophie Wex, qui vous présentera une conférence sur le voyage galactique dans les annales akashiques. Voilà. C'est un autre sujet, ça. Il y a un autre sujet, là on part sur autre chose. Mais c'est ça qui est bien sur Rayonnance. On fait Bon, plein alors, de quand je parle d'extraterrestre, c'est pareil, moi, je Ben sors voilà, du social. c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Un grand, grand merci. Belle nuit à vous tous. Merci de votre fidélité et à très Merci. bientôt. Merci à tous. À bientôt. Au revoir.